Bonsoir à tous, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des mardis de l'espace des sciences avec nos deux conférenciers de ce soir. L'un est cadre de recherche au sein de l'IFREMER à Brest. Bonsoir Martial Laurence. Et l'autre est directeur de recherche à la CNRS à la station biologique de Roscoff. Bonsoir Philippe Potin. Avant de vous présenter nos conférenciers de ce soir, je voudrais, qui sont des Finistériens, hein, vous le savez, et je voudrais accueillir Marc Feldman, qui est le directeur de l'Orchestre national de Bretagne. J'imagine votre surprise, cher public dans la salle et cher public derrière vos écrans d'ordinateur. Déjà, la semaine dernière, on vous a fait un coup fumant, c'est-à-dire que ce mardi de l'espace des sciences s'est terminé en chanson. Le conférencier d'origine bretonne, Éric Lagadec, qui est un grand astrophysicien qui travaille à Nice, nous ayant offert, avec Alan Stivell, féru d'astronomie, d'astrophysique, un duo inédit. Alors ce soir, il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas d'orchestre, mais je voulais que vous soyez à mes côtés ce soir, Marc Feldman, parce que cette conférence, cette soirée a été organisée avec l'Orchestre National de Bretagne et le projet Ponant, que vous allez nous présenter et qui associe musique, images, mer et sciences. Des passerelles que vous aimez bien faire, je crois. Oui, il faut dire que je pense réellement que la musique, ou l'art, la science ont beaucoup de choses en commun. On a vraiment des artistes qui travaillent seuls, des compositeurs qui travaillent seuls, comme des chercheurs parfois, ils travaillent seuls, mais à un moment donné, on doit se mettre ensemble pour échanger et pour travailler ensemble, pour créer quelque chose. Et aussi, on a des langages bien à nous, et c'est bien parfois bien de les partager. Parce qu'on voit qu'on a vraiment des choses qui fascinent les uns et les autres. Et en fait, le projet Ponant, c'est quoi exactement? L'Orchestre National de Bretagne est aussi, disons-le, on est un orchestre, on aime bien dire qu'on est un orchestre qui partage les mêmes valeurs et les mêmes cultures de notre région. Et donc, il y a la culture maritime qui est très importante pour nous. Et donc, il y a beaucoup de compositeurs qui sont inspirés par la mer. Donc, Debussy, bien sûr, beaucoup de peintres, beaucoup d'artistes. Et donc, on avait envie de creuser ça. Et donc, on a fait des commandes à des compositeurs qui travaillent parfois avec des chercheurs. On avait un compositeur qui est parti aux îles Kerguelen, qui a resté avec les chercheurs et il a créé une symphonie qui s'appelle la Symphonie Australe. On travaille avec des photographes comme Nicolas Flock qui travaille sur les algues. Et l'idée est de créer des passerelles entre les arts, la science, pour créer un dialogue et aussi pour sensibiliser un public plus large à les questions de préservation de la mer, de préservation de la nature. Et c'est un projet pluriannuel. Et pourquoi je suis là ce soir? C'est que jeudi soir, il y a un concert aux Jacobins et on va présenter une œuvre qui est inspirée par des photos de Nicolas Flock. Nicolas Flock, un photographe qui a photographié des algues et des coraux. On peut peut-être en dire à tel point que c'est rare. Martial a vu une exposition, Martial Laurence, et il a dit que c'était absolument fabuleux. Et donc, dans la baie de Tokyo, il a aussi photographié des herbiers ici en Bretagne. Ces photos ont inspiré un compositeur japonais qui écrit une œuvre pour un instrument qui s'appelle le shakuhachi, qui est un instrument en bambou, qui est végétal. Et donc Nicolas et Dai Fujikora, le compositeur, ont travaillé ensemble. Et jeudi soir, on va créer l'œuvre avec des projections de Nicolas Flock et la musique de Dai Fujikora et un joueur de shakuhachi qui vient de Japon. Et on a un tas d'ateliers et de conférences autour avec des chercheurs, avec des scientifiques, justement pour faire des passerelles entre la musique, la science
et les arts visuels. Et donc, quand vous êtes venu nous voir, quand Hugo Le Tellier est venu nous voir pour nous proposer ce projet, nous on a dit banco, parce qu'on trouve aussi que c'est important de créer ces passerelles entre tous ces mondes. Et puis, il est très important de parler de la mer. Alors vous voyez, ce soir, la salle est un petit peu clairsemée. J'ai remarqué depuis 2006 que nous faisons des conférences ici, que ce ne sont pas souvent les conférences sur la mer qui attirent le plus de monde. Alors on sait bien qu'il y a eu aussi une déperdition de public dû à la pandémie, mais ce ne sont pas comme si, et alors vous n'allez pas être content, mais comme si on ne se rendait pas compte de l'importance et des enjeux cruciaux proposés par ce monde maritime. Donc voilà, je pense qu'on creuse un petit peu le sillon et puis on y arrivera. Oui, et on va continuer bientôt, la semaine prochaine, grâce à l'orchestre, on va faire un concert avec des chanteuses inuites. Oui. Ici, parce que l'année prochaine, on va continuer notre travail sur le projet Ponant, mais on va partir à Nunavut, on va partir dans le nord du Canada, et on va présenter des chanteuses inuites qui vont faire un travail avec des chanteuses bretonnes, mais aussi, on aura aussi des chercheurs et des questions qui viennent du Canada qu'on va... on va aborder l'année prochaine. Donc et je crois même qu'il y a déjà un petit concert cette semaine, non ? La semaine prochaine, le 4 mai, Chant Libre, deux chanteuses inuites vont venir ici présenter le travail qu'elles vont faire avec l'Orchestre National de Bretagne. Voilà, et ben écoutez, merci beaucoup, merci pour cette proposition. Je suis sûre qu'on va apprendre beaucoup de choses avec nos deux conférenciers de ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, moi j'aime bien parler des itinéraires des conférenciers que l'on reçoit, parce que on s'aperçoit que les itinéraires ne sont pas forcément très droits, qu'il y a parfois des bifurcations, et je trouve que c'est intéressant pour les étudiants par exemple de se rendre compte que on peut se tromper de filière, mais c'est pas pour ça que on réussira pas dans une autre filière que l'on abordera. Alors donc pour nous parler de ces algues de Bretagne qui, nous dites-vous, représente un enjeu planétaire, et vous allez nous le prouver tout à l'heure. On va faire connaissance un petit peu avec vous. Philippe Potin, on commence par vous. Vous travaillez donc sur l'algoculture et le développement des nouvelles utilisations des algues. Et Martial Laurence, vous étudiez le suivi de la ressource en laminaire et son exploitation. Alors, on commence par vous, Philippe Potin. Vous êtes directeur de recherche CNRS à la station biologique de Roscoff, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas du tout une vocation au départ, ce qu'on pourrait croire, parce que vous êtes breton, finistérien, vous avez vécu toujours auprès de la mer. C'était pas du tout ça qui vous intéressait au début. Vous aviez envie de faire des maths et des sciences sociales, c'est ça ? Ah oui, prenez votre micro. Oui, surtout des sciences sociales. Donc oui. Vraiment, moi j'avais en parallèle de mes études, effectivement, qui étaient scientifiques. Vraiment une activité assez intense, on peut dire militante, puisque c'était au moment des grands combats, donc après la marée noire de la Mococalise, donc c'est quand même en relation avec la mer. Ah oui. Et puis faut dire que j'étais quand même un enfant de la côte et que toute mon enfance et mon adolescence, notamment entraînée par mes frères et par une dynamique qu'il y a sur la côte autour de Brest, à l'époque on ramassait déjà des algues comme petit boulot d'été. Donc je n'étais pas étranger aux algues. Mais justement, ces algues, à un moment, même, j'avais mobilisé pas mal de camarades de lycée pour venir les ramasser avec moi l'été. Et en fait, on reversait en fait l'argent qu'on gagnait donc à des associations en fait. Ah, oui. Et en particulier à l'association pour laquelle qui m'a amené effectivement aussi à avoir une dynamique complètement différente de la science au départ. Et notamment me montrer que je me trompais en voulant associer les sciences sociales et des maths. Alors vous avez fait vos études à Rennes, et donc vous faisiez le grand écart entre Villejean, où se trouve l'université Rennes 2, et Beaulieu, où se trouve l'université Rennes 1. C'était un grand, grand écart quand même. Ça ne devait pas être bien simple, ça. Oui, j'ai fait pas mal de kilomètres de vélo à Rennes à ce moment-là, oui. Et puis alors après, vous allez devenir étudiant travailleur à Paris, à Jussieu.
Étudiant à Jussieu et travailleur... Travailleur juste en face de Jussieu et dans une époque qui était vraiment très exaltante, au début des années 80, donc juste après l'élection de François Mitterrand. Et dans une association de jeunesse, en fait, qui effectivement, dont je faisais partie de l'équipe nationale, j'ai même donc présidé cette association pendant 2 ans. Donc c'était une activité vraiment très exaltante, mais dont la condition, en fait, pour pouvoir l'exercer était de pouvoir rester étudiant. Ah. Donc ça m'a aussi amené à côtoyer beaucoup d'autres étudiants, y compris des collègues qui étaient dans des écoles aussi prestigieuses que Normale Sup, qui aussi s'investissaient dans cette association. C'est là aussi que vous avez pas mal travaillé avec l'étranger. Et qu'en plus, oui, j'ai participé à la dynamique à la fois européenne et internationale de ce projet qui m'a amené dans des pays comme la Pologne, le Canada, etc. et à côtoyer des jeunes africains, asiatiques et de tous les continents, plus de 80 pays représentés notamment dans un congrès international. Et puis alors, vous revenez en Bretagne, vous revenez faire une licence et une maîtrise d'océanographie ici. Oui, à Brest. Donc, en fait, et je suis ma volonté de revenir à Brest. En fait, elle a été à ce moment-là dictée par les algues et en particulier par la qualité des enseignements qui étaient dispensés par les algues à l'époque à Brest. L'université de Bretagne occidentale. L'université de Bretagne occidentale. Donc, voilà. Et puis bien sûr, cet enseignement étant lié à toute l'activité déjà très intense qu'on va illustrer dans nos conférences qui était présente déjà en Bretagne. Donc, thèse à Roscoff, et puis après, vous partez au Canada. Oui, et d'ailleurs, il y a une petite anecdote sur ma thèse à Roscoff. En fait, j'étais déjà vieux parce que, étant étudiant travailleur, je n'avais pas eu un parcours très rectiligne. Et ce qui a été décisif, effectivement, sur mon CV, c'était pas seulement d'avoir fait des études de sonographie à Brest pour pouvoir décrocher un projet de thèse, mais c'est aussi d'avoir montré qu'avec cette activité associative, en fait, je pouvais aussi mener les projets. Et c'était une ligne de CV qui a été très, très importante, vu mon âge, par rapport à d'autres étudiants qui pouvaient être... plus jeunes, peut-être sortir de filières plus brillantes que mon parcours. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé au Canada, à Roscoff. C'était un postdoc, oui, effectivement, dans un des laboratoires qui, à l'époque, était le plus dynamique au monde pour la recherche sur les algues. C'était vraiment exaltant, en Nouvelle-Écosse. C'était aussi les débuts des approches de génétique moléculaire sur les algues, et qui était vraiment dans lequel son labo était donc leader. Et que, effectivement, j'ai pu donc apprendre dans cette expérience postdoctorale et ramener ensuite, en ayant eu la chance de pouvoir donc être recruté au CNRS, en revenant à Roscoff, à la station biologique. À la station biologique qui fête ses 150 ans. Et il faut savoir qui est parrainé, ce n'est pas tout à fait le mot qu'il faut utiliser, mais qui dépend en fait de l'université Sorbonne. Et oui. Du CNRS, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est en fait un laboratoire qui a été créé il y a 150 ans par un professeur de la Sorbonne qui détenait la chaire de zoologie de la Sorbonne et qui était un passionné de biologie marine qui, effectivement, a commencé à fréquenter toutes les côtes françaises et même plus large européennes, d'abord en itinérance, en allant d'hôtel en hôtel et en passant des étés entiers à étudier la faune marine. Et qui, en fait, en arrivant à Roscoff, a découvert le site qu'il jugeait idéal pour créer une station marine pour étudier la biodiversité marine. Mmh. C'est vrai qu'à l'époque, et même si c'est encore vrai aujourd'hui, Roscoff devrait être un paradis de biodiversité marine. Mmh. Alors, on va continuer avec vous, Martial Laurence. Vous êtes originaire du Finistère également, né auprès de la mer. Alors vous venez faire vos études à Rennes aussi. Ouais, je viens aussi faire mes études à Rennes, avec déjà une idée en tête de ce que je voulais faire. Quand même. Je voyais que vous hésitiez entre marin-pêcheur et chercheur. J'ai hésité longtemps. J'ai été aussi un petit peu marin-pêcheur, effectivement. Ouais. Donc j'ai eu une réponse à plein de questions que je me posais. Mais je continue un tout petit peu à être marin-pêcheur aujourd'hui, puisqu'avec le travail que l'on a au sein de l'Institut, on réalise des journées en mer avec les pêcheurs. Donc en fait, je dois avouer que je... Vous n'avez pas perdu le contact. J'ai pas perdu le contact, non, tout à fait. Et vous avez fait l'école d'agro à Rennes, donc ? Ouais, avec une spécialité en halieutique, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui a orienté mon travail. Je ne sais pas si cette filière est très, très connue. Alors, pour ceux qui font de l'halieutique, elle est extrêmement connue, bien sûr. Pour ceux qui en font. Mais on va dire que ceux qui s'intéressent à la pêche en association avec la biologie marine, c'est vraiment, elle est reconnue mondialement aujourd'hui, avec des étudiants qui vont partout...
enfin, dans plein d'autres laboratoires de recherche, en fait. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas. C'est à, on va dire, à 15 ans, j'ai eu une information avec une personne qui m'a dit ça existe. Et dès lors que j'ai eu cette information-là, voilà, je savais ce que je voulais faire, en fait. Oui, mais il faut tomber sur la bonne personne qui vous donne à un moment l'information, puisque moi, c'est... Ma passion, c'est vraiment la pêche, en fait. Voilà, c'est ce qui a drivé. Et puis donc, ressources halieutiques, gestion, c'était tout. Tout était tracé, on va dire. Et puis alors, vous allez. Ben, c'était l'époque où il fallait faire son service militaire. Encore, ouais. Vous étiez encore. Voilà. Et donc, service militaire au sein de la structure Ifremer, donc où je travaille aujourd'hui, mais en Outre-mer. Donc, ça s'appelle les volontaires et les techniques. Et donc c'est vrai que c'est un très bon moyen, en tout cas, ça m'a permis moi vraiment de confirmer le fait que je voulais faire de la recherche, en fait. Même si en étant dans le secteur de la gestion et de la pêche, au début, toute la filière aval de la filière m'intéressait, donc ce qui est mariage, valorisation du poisson. C'est encore un sujet qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, le travail qu'on réalise et que j'ai réalisé dans ces différentes expériences, c'est... D'une part, s'assurer qu'on gère bien, et ça, c'est un objectif vraiment important, et derrière, qu'on valorise bien, en fait. Et cette deuxième action, elle est... Valoriser, vous nous expliquerez plus en détail tout à l'heure ce que ça veut dire. Je peux juste faire un petit aparté. Valoriser bien, c'est tout poisson qui arrive à bord d'un bateau, il doit être traité de manière la meilleure qui soit pour que tout poisson qui a été pêché soit valorisé dans l'alimentation humaine, en fait. Donc c'est aussi cet aspect-là qui m'intéresse aussi. Alors vous avez fait une thèse en Afrique de l'Ouest ? Alors oui, au cours d'un projet européen, donc il y avait un projet de thèse, et c'était sur le travail sur les ressources halieutiques en Afrique de l'Ouest, c'était sur les ressources démersales. En Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui sont associés, qui ont comme une commission européenne, enfin ça fonctionne de la même façon pour la gestion des pêches, et on était là-bas en travaillant en collaboration avec tous les chercheurs qui étaient présents, et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à travailler sur les premières approches de dimension d'écosystème, en fait. Jusqu'à présent, on travaillait espèce par espèce, et là on a commencé à regarder l'évolution des communautés, en fait. Et puis alors, vous allez revenir ensuite à la station biologique de... Moi, je reviens... Non, c'est pas la station biologique, vous savez. Non, alors moi, à la sortie de ma thèse, je décide de faire marin pêcheur. Oui, c'est ça. Et mon directeur de thèse, il m'a dit, t'es sûr ? Mais j'ai dit, bah ouais, je vais essayer. Et finalement, je me suis dit que le travail qui était le mien avant était plus en adéquation avec ce que je voulais faire, en fait. Non, c'est rigolo, parce que ce que je voulais dire surtout, c'est que la plupart des chercheurs vont faire un post-doc à l'étranger, et vous, en fait, vous travaillez à l'étranger et vous revenez faire votre post-doc. Ouais, je suis presque revenu à la maison. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était pas. Voilà. Bon, bah écoutez. Ah. Félicitations, je voulais quand même vous féliciter, Philippe Potin. Vous avez obtenu les étoiles, vous avez été un des lauréats des étoiles d'or de l'Europe, qui c'est une récompense, une reconnaissance donnée au coordonnateur français de projets européens. Et vous êtes toujours coordonnateur du projet Génialgue. Alors, non, justement, le projet, ça récompense des projets qui se terminent se sont bien passés, effectivement, mais c'est quand même aussi une récompense collective parce que le coordinateur, sans tous les acteurs du projet, il n'est rien. Donc, c'est un projet qui a regroupé 19 partenaires, dont 9 entreprises et pas mal d'entreprises bretonnes, notamment une petite entreprise de culture d'algues dans la Rance, la Civil Aquaculture, et 2 entreprises de transformation d'algues en Bretagne, Algaïa et Olmix, et qui avaient pour enjeu, effectivement, de lever un ensemble de verrous sur la culture des algues, dont je vais parler un tout petit peu ce soir, en Europe. Aujourd'hui, ce qui est très positif, hein, par rapport à des retombées de ce projet, c'est que c'est pas bien sûr notre projet seulement qui y contribue, mais c'est que la Commission européenne a fait une priorité des algues pour les 2 années à venir. Et tous les directions de générales, en fait, qu'elles soient en recherche, mais aussi dans le domaine de la mer, etc., ont pris cette priorité de ces végétaux donc marins pour donc contribuer à trouver des solutions pour un certain nombre d'enjeux, qu'ils soient alimentaires, climatiques et autres. Donc on en reparlera, je pense, dans les questions. Donc ce projet-là, c'était ça. Et on a candidaté parmi tous les autres projets français, en fait, qui sont coordonnés par tous les autres projets coordonnés en France. Et donc il y a des projets qui très divers, effectivement, qui vont dans toutes les sciences, y compris un projet par exemple en archéologie sous-marine qui a été récompensé aussi,
Et donc, effectivement, il y en a eu 8 projets sélectionnés par le ministère de la Recherche l'an passé pour encourager, en fait, tous les jeunes chercheurs à aller vers l'Europe, en fait, et surtout à prendre en charge des coordinations, parce que coordonner un projet européen, c'est permettre, effectivement, à des laboratoires dans son pays de pouvoir vraiment bénéficier d'un réseau important et aussi de moyens importants, puisque quand on est seulement partenaire, on a moins de pouvoir de décision. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Alors maintenant, on vous écoute. Les algues de Bretagne, un enjeu planétaire. À vous de nous le prouver. C'est Martial qui s'y colle le premier. Je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée. Alors, pour commencer, je voudrais vraiment bien insister sur le fait que ce que je vais vous présenter, moi-même et Philippe après, c'est vraiment un travail de collaboration. On vous transfère de l'information qui est issue de travaux de plein de personnes, et ça, c'est, on y tient à chaque fois. Juste pour vous indiquer les structures dans lesquelles on fait partie, moi, je travaille à IFREMER, et je fais partie d'une UMR qui s'appelle DECODE. Et donc, Philippe, il travaille à la station biologique, mais en dépendance de l'Université Sorbonne et du CNRS. Alors, je vais commencer de manière assez globale, et ça me semble être assez important de vous traduire... par algues, qu'est-ce qu'on a ? On a bien sûr une espèce, mais derrière une espèce, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus important, et on pourrait partir presque du fait qu'une algue est certaine, vraiment crée un habitat. Quand je vous dis créer un habitat, je vais vous montrer quelques photos après, et vous allez voir qu'on est vraiment dans une structure qui est tridimensionnelle, qui permet de proposer quelque chose de type habitat. Il y a du coup des fonctions écologiques qui dépendent de ces algues-là. On a une production végétale qui est bien sûr importante, mais après une chaîne alimentaire, donc on revient sur la notion d'habitat, mais une zone qui est d'importance pour de la reproduction ou pour de l'habitat juvénile. On a aussi une diversité d'espèces qui est présente et une génétique associée. Une production secondaire qui est liée à la présence de ces algues-là. Et on a aussi tous les aspects qui sont des aspects de paysage sous-marin. Et c'est assez récent dans la notion d'écosystème, c'est de parler de service écosystémique qui est rendu par une espèce et par son habitat. Et donc, du coup, lié aux algues, on a vraiment tous les systèmes d'approvisionnement. Ça représente une ressource qu'on va en partie exploiter, en fait. On a tout ce qui est support de régulation, le fait que cette algue-là soit là, elle permet à des espèces d'être présentes et, pour certaines, réaliser une partie de leur cycle de vie, et ce soit des espèces qui vont être intéressantes pour nous parce que c'est une ressource qui va être exploitée, ou alors des espèces type oiseaux ou mammifères qui ont un cycle de vie qui est dépendant de ces aspects-là. Et donc on va pouvoir définir des services écosystémiques qui soient culturels. Si vous allez sur la côte dans le Finistère, il y a beaucoup de personnes qui, même s'ils ne vont pas dans l'eau et qui ne connaissent pas cet habitat-là, pour l'avoir vu, ils savent son importance et ils sont très attachés à cet aspect-là. C'est comme vous êtes à Rennes, mais la forêt de Pimpon, elle est importante pour vous, à la fois parce qu'elle est là, mais parce que vous savez qu'elle est importante pour plein de choses, même si vous n'en avez pas une connaissance très importante. Et après, il y a tous les aspects culturels, le fait que des gens aillent se déplacer dans ces environnements-là, et le côté culturel, qui peut être patrimonial. Si vous allez le long de la côte du Finistère, vous aurez par exemple... plein de fours à Gouémont, c'est vraiment du patrimoine, c'est du patrimoine, et qui explique en fait une partie de la vie des gens qui étaient là. Voilà, ça c'était globalement pour vous dire que les algues, c'est aussi tout ça, même si le discours la présentation sera plus spécifique. Alors, les algues, c'est quoi ? C'est d'abord des algues sur l'estran que l'on peut récolter à la main. C'est aussi j'ai parlé de suite de laminaires qui sont plutôt récoltées par une technique qui est mécanisée aujourd'hui à partir de bateaux. Et dans l'environnement qui est le nôtre, c'est comment on intègre aussi ce que va vous présenter après Philippe, c'est l'algoculture dans un contexte de multi-usage, de la pêche, d'activités de loisirs. Et ce contexte multi-usage, c'est aussi tout ce qui est, on va dire, parfois conflits sociaux, tout ce qui est autour des discussions des parcs éoliens, par exemple, c'est aussi de ce contexte de multi-usage dans la bande côtière, en fait. Alors, moi, je vais vous présenter principalement l'exploitation qui est faite des laminaires, en fait. Je vais vous présenter ce que c'est qu'une laminaire, et parce que c'est une exploitation qui est ancienne, notamment en Bretagne. Donc, on a une laminaire, comme ce qui est présenté donc, à droite. On a un crampon qui lui permet d'être fixé sur le substrat, un stipe ou un pied qui lui permet d'être au-dessus du fond, et donc un tal ou une feuille, enfin, différents termes sont utilisés.
classiquement, c'est vraiment ce qui caractérise une laminaire. Et cette photo-là montre une plante adulte pour un sporophyte, mais elle a toute une partie de son cycle de vie qui est microscopique et qu'on ne voit d'ailleurs pas du tout, en fait. En Bretagne, on a 7 espèces qui sont présentes, alors quelques photos. Laminaria digitata, Laminaria hyperborea, c'est les deux espèces dont je vais vous parler après, qui sont les espèces les plus présentes et les plus abondantes et qui sont exploitées. Laminaria ochroloca, c'est une autre espèce qui est un petit peu présente, mais dans des endroits très très spécifiques, qui est très peu exploitée. Et ensuite, je vous en présente une là. C'est Philippe qui l'a apportée, en fait. C'est Laminaria saccharina latissima. Alors celle-là, elle commence à être grande, mais elle peut atteindre 5 mètres de long facilement, en fait. Alors celle-ci, elle a une caractéristique, elle a un petit crampon, elle a un petit stipe, elle a une lame qui est assez importante, très très bonne à manger, combu royal, et elle est plutôt dans un habitat mixte sable-roche, alors que d'autres algues sont complètement que sur un substrat rocheux, il leur faut que du substrat rocheux, en fait. Après, on a une algue un peu moins présente, Alaria esculenta, présence limite sud de Ratzin, plus au sud, on la trouve pratiquement plus ou pas du tout, parce que les températures sont trop importantes. Après, on a une algue qui s'appelle Saccharisa polyscides, qui est dite une algue d'obédience sud, qui est plutôt dans des eaux chaudes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on en trouve de manière beaucoup plus importante dans certains endroits. Et enfin, une dernière, Undaria pinnitifida, qui, elle, par contre, elle a été introduite en Bretagne par la structure dans laquelle je travaille. Mais il y a de l'algoculture qui a été développée à partir de cette algue-là. Mais moi, la présentation que je vais vous faire, c'est surtout sur les deux premières. Alors, juste pour un aspect contexte, voilà, à grande marée, ce que l'on peut trouver sur les strands. Là, vous avez des Laminaria digitata qui sortent de l'eau à grande marée, sur lesquels on peut faire du travail, notamment de suivi de croissance, en fait. Là, c'est la seconde algue dont je vais vous parler, c'est Laminaria hyperborea, avec un stipe qui est très, très rigide. Alors, vous voyez, on a l'impression de voir comme des tiges, en fait. Et au-dessus, vous avez des lames. Alors, les pêcheurs et les goémoniers qui récoltent cette algue-là vont, dans ces endroits-là, plutôt parler de forêt de laminaire, ou parfois ils vont parler de champ, parce qu'ils l'exploitent. Mais le terme de forêt de laminaire est assez bien approprié, dans le sens où vous avez vraiment une structure qui est dominée par quelques plants adultes, qui sont très très grands, en fait. Les stipes de cette laminaire-là peuvent atteindre en moyenne jusqu'à 1,50 m, dans certains endroits jusqu'à 2,50 m, c'est le cas de la chaussée de Saint, liée à la clarté de l'eau. Et quand on parle de forêt, il faut bien imaginer que quand vous êtes sous ces algues-là, c'est exactement comme vous êtes sous une canopée de feuillus. Il y a une grosse partie de la lumière est captée, donc c'est plutôt ombragé. Et vous avez une biodiversité liée à cet ombrage et qui se fixe sur les stipes, qui est vraiment très, très particulière. Donc on a un environnement et donc un habitat. Et quand on vous parle d'habitat, c'est vraiment cet aspect-là en trois dimensions. Et donc, vous avez une multitude d'espèces qui sont associées. Alors, multitude d'espèces qui va être associée et qui va dépendre aussi des conditions de température, de houle, de turbidité de l'eau. Et donc, ça, c'est des aspects très, très importants. Autre photo avec les grandes algues que l'on voit sortir au-dessus, c'est Saccharisa polyscides qui est capable d'aller au-delà de la canopée pour aller chercher la lumière. Et là, on a des algues qui peuvent atteindre en longueur totale presque 4 mètres à peu près. Donc voilà, c'était vraiment cet aspect de présentation de ces algues-là. Et donc, une partie de ma présentation, c'est l'exploitation. Et donc, on a le long des côtes du Nord Finistère, des bateaux qui exploitent ces algues-là avec des scoubidou. Alors, ces scoubidou, c'est un axe au bout duquel vous avez comme un crochet et les algues s'enroulent autour. Ça, c'est pour la principale algue qui est là, qui est la Laminaria digitata. Et c'est une mécanisation qui existe depuis 72-73. Avant, il faut imaginer que les hommes, ils étaient dans leur bateau, ils avaient comme des grandes faucilles au bout d'axe, et en fait, c'était manuellement qu'ils exploitaient les algues. Donc, imaginez manuellement exploiter des algues, c'était des métiers qui étaient vraiment éreintants, et donc il y avait beaucoup de bateaux le long du littoral. Aujourd'hui, le nombre de bateaux, il est vraiment très, très, très faible. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet de l'exploitation et qu'est-ce que représentent les algues en Bretagne, la courbe en bleu en haut, c'est la production de Laminaria digitata, et actuellement, elle est autour de 50 000 tonnes. 50 000 tonnes, en gros, entre Brest et Roscoff, sur tout le Nord Finistère, et il y a un petit peu d'exploitation dans le Sud Finistère. Donc, on a une certaine stabilité de la production, mais dans le même temps, la courbe en rouge montre le nombre de bateaux qui exploitent cette algue-là. On a, comme dans beaucoup d'activités,
une concentration des bateaux qui sont devenus plus grands, moins aussi d'intérêt parfois pour le métier, donc moins de personnes qui vont faire ces métiers-là, qui sont quand même des métiers qui sont durs. Donc on a une stabilité de l'exploit de la production, mais par contre une diminution du nombre du bateau. Et cette algue-là, elle est historiquement exploitée depuis très longtemps. Et on a une autre algue, donc, ce que je vous ai montré, la Minaria hyperbora, qui elle a une production qui est autour d'aujourd'hui de entre 15 et 18 000 tonnes, et qui est stabilisée. Le pic que vous voyez en 2014, j'y reviendrai après, mais il est concomitant avec la baisse de production en 2014 de l'autre algue. C'est lié aux tempêtes de 2014, mais j'y reviendrai après, où la Minaria digitata a été complètement, on va dire, décimée par ces fortes houles d'hiver. Donc ça, c'est l'exploitation. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a l'exploitation ? Il y a vraiment des règles de gestion qui sont en place. Et ces règles de gestion, elles ont été vraiment supportées par des travaux Alors là, je vous montre juste pour vous montrer qu'il y a vraiment un encadrement de cette exploitation. Il y a plusieurs articles. Il y a, au niveau régional, des arrêtés avec une réglementation qui est en place. Donc il y a certaines règles qui vous disent quand vous avez droit de récolter. Et pour ce qui est des algues de rive, il y a des périodes de l'année où on peut récolter et on ne peut pas récolter, à la fois parce que les algues sont trop petites, parce que ce serait dommage d'aller récolter une algue qui fait 5 cm au début de l'année, alors que 3-4 mois après, elle peut en faire 50 cm. Donc il y a vraiment un cadrage annuel de quand est-ce qu'on peut le faire. Il y a comment aussi, c'est la taille des algues. Il y a une taille minimale pour pouvoir les récolter. Et l'algue que je vous ai montrée là, celle-là, on pourrait la récolter. Donc il faut qu'elle fasse minimum 1,50 m pour être récoltée. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement bien cadré aujourd'hui. Et il y a des formations que les récoltants doivent suivre pour pouvoir être acteurs. Et donc, suite à ça, on a vraiment un statut de récoltant d'algues de rive qui existe et qui n'était pas forcément en place. Philippe indiqué qu'il a récolté des algues quand il était étudiant. Aujourd'hui, pour récolter des algues, il faut un statut. Moi-même, quand j'avais 18 ans, j'ai été ramasser des algues. C'était plutôt une activité très, très développée le long de la côte. Et on était payé directement en argent liquide à la fin. C'était assez étonnant. Pas de déclaration, rien du tout. Mais ça faisait partie vraiment de la culture le long de la côte. Aujourd'hui, en fait, il y a eu un cadrage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des entreprises qui finalement avaient du personnel qui avait une activité au noir, en fait, et donc qui n'était pas du tout déclaré, pas du tout assuré. Donc il y avait un problème de législation. Et donc du coup, aujourd'hui, le cadrage et la gestion fait qu'on a une meilleure rémunération des acteurs qui sont sur la côte, et suite aussi à une meilleure organisation du marché, en fait. Alors, par exemple, le type de cadrage qui a été fait, là je vous parle d'une autre algue qui est une algue dérive, Ascophyllum nodosum en fait. Dans les aspects de gestion qui sont réalisés, on a spatialisé sur l'ensemble du littoral. Alors là, pour ceux qui connaissent, on est à Porte-Faudère, donc on est vraiment dans le nord du Finistère, et on a des zones de présence de cette algue-là, et on a des périodes de fermeture et des périodes d'ouverture, tout simplement pour assurer une croissance qui soit correcte pour l'algue, pour que le récoltant, quand il revient sur les sites, il y a une biomasse qui est suffisante. Et surtout, le fait que la biomasse se reconstitue, c'est l'écosystème qui se reconstitue et toute la biodiversité associée. Donc, c'est des zones de pêche ouvertes ou fermées, un calendrier qui est en place. Et ça concourt vraiment à gérer du mieux cette algue-là, qui, soit dit en passant, est une algue qui peut atteindre, enfin, un pied peut atteindre presque 100 ans. Donc, autant bien le gérer et ne pas faire n'importe quoi. Donc du coup, cette algue-là, il faut la couper, il faut laisser au moins 25 cm de l'algue en place, puisqu'à partir de cette algue-là, il y a une croissance végétative, et donc l'algue, elle peut repartir de manière très, 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 très importante. Donc voilà, règles de gestion portées par des résultats, et ça fonctionne très, très bien. Au début, on avait des récoltants qui étaient réticents, et depuis que ça s'est mis en place, eh bien, ils sont plutôt ceux qui portent les projets, ceux qui font les suivis sur le terrain, et on a vraiment quelque chose qui est bien équilibré entre travail sur le terrain et puis gestion derrière. Alors pour les laminaires, autre cadrage, c'est d'abord un accès à la ressource, c'est-à-dire on ne peut pas faire n'importe quoi. Carte de la Bretagne, vous avez plusieurs zones de gestion, et dans ces zones de gestion, vous avez un quota, un nombre de bateaux qui peuvent exploiter. L'objectif étant de ne pas surexploiter certaines zones, ou au moins s'assurer, par exemple, que sur certaines zones qui sont dites meilleures, on n'ait pas toute la flottille qui, au début de la saison,
je dirais, se précipite sur ces zones-là et donc la surexploite. Donc du coup, vous avez par zone de pêche, par zone d'exploitation, un nombre de bateaux qui est associé, avec comme des droits d'antériorité. Un bateau qui pêche là depuis un certain temps, il a acquis des droits. Et si un nouveau bateau peut rentrer, il faut qu'il ait l'espace, qu'il ait la capacité pour qu'il puisse être actif. Dans l'autre cas, la minéria hyperboréale, là, c'est une algue qui a une croissance plutôt faible. Et donc, du coup, on a des zones avec une rotation des jachères. Exactement comme en agriculture, où vous avez des prairies ou des zones qui sont mises en jachère. Alors là, plutôt en jachère pour des aspects de biodiversité en agriculture. Là, c'est plutôt pour laisser le temps aux zones après exploitation de reconstituer sa biomasse et aussi de reconstituer toute la biodiversité associée. On a sur des plans anciens des espèces qui sont plutôt présentes comme des éponges. Si vous enlevez les plans anciens, et ces éponges-là sont plus présentes. Il faut un certain temps pour qu'elles reviennent. Et donc, du coup, c'est aussi tous ces aspects-là qui sont faits. L'autre point important, c'est qu'on est capable d'estimer la biomasse dans ces zones de jachère. Et donc, on met un quota en place. Et ce quota-là en place, actuellement, il est à peu près de... Si vous avez 1000 tonnes dans une zone, vous pouvez exploiter que 140 tonnes, à peu près 14% de la biomasse qui est présente. On pourrait peut-être faire plus d'un point de vue économique et ressources, mais par contre, cette algue-là, c'est aussi, comme je vous l'ai présenté initialement, c'est vraiment un écosystème dans lequel vous avez plein d'autres espèces qui sont présentes et qui en dépendent. Et donc, la gestion, c'est aussi, pour les algues, trouver le bon équilibre entre exploiter la ressource et de se dire que c'est vraiment un écosystème riche, important, et il faut trouver ce bon équilibre-là. Donc, on a toutes ces règles qui sont en place. Et dans certains secteurs, pour ceux qui connaissent, on a le parc naturel marin d'Iroise qui englobe la mer d'Iroise, et dans cet endroit-là, on a des zones dites de haute conservation où il n'y a pas du tout d'exploitation puisqu'on considère que la biodiversité est très très haute et donc pas de perturbation liée à une activité humaine. Mais dans d'autres endroits, c'est aussi lié à la présence de mammifères, donc pas de perturbation des mammifères, ou dans d'autres endroits, on considère que l'habitat qui est présent est fragile d'un point de vue roche et on n'y va pas. Ou aussi, gestion de conflits, parce que vous avez plein d'activités, d'autres pêcheurs, ou vous avez des personnes qui sont là juste parce qu'ils se baladent. Donc du coup, il y a une gestion qui est menée à ce niveau-là. Donc accès à la ressource, c'est prendre en compte toutes ces dimensions-là. L'autre aspect, c'est pour bien gérer, il faut essayer de connaître la biomasse de la ressource dont que l'on a. Alors là, je vous fais une présentation où modéliser une biomasse, c'est prendre en compte plein de facteurs. Et là, dans le travail que l'on a réalisé, on a pris en compte une algue est présente si elle a assez de lumière, si elle est à la bonne profondeur, si elle est dans une zone où il n'y a pas trop de courant, ou à l'inverse, s'il y a beaucoup de courant. Et donc, on a pris plein de facteurs qui caractérisent la physique de la zone, donc profondeur, la pente, plein d'aspects comme ça, le fait qu'elle soit exposée à l'est ou à l'ouest. D'autres facteurs qui sont vraiment liés à la composante océanographique, en fait, hein, le fait qu'il y ait beaucoup de courant, de la houle, de la rugosité, donc ça, c'est des facteurs qui sont pris en compte. Les autres facteurs qui sont pris en compte, c'est la température, la salinité, le fait qu'il y a un taux d'oxygène important, le fait qu'il y ait des nitrates, des phosphates, et donc tous ces facteurs-là qui concourent au fait qu'une algue soit présente et qu'elle soit présente en quantité. Je ne vous rentre pas dans... C'est une moulinette mathématique qui nous permet, in fine, d'estimer, en fait, de la biomasse. Mais avant d'estimer la biomasse à une échelle large, nous, on va sur le terrain et on va faire des réalités terrain. Donc, on va en plonger, on fait des cadres d'un mètre carré dans lesquels on compte le nombre d'algues qu'il y a, on mesure les algues et on estime la biomasse. Donc, c'est ce qu'on appelle une réalité terrain. Et cette réalité terrain qui nous dit que à Ouessant, à 20 mètres de fond, j'ai 14 kg de biomasse. Je peux l'expliquer parce qu'à cet endroit-là, il y a la température qui est comme ça, il y a la salinité qui est comme ça, il y a la turbidité qui est comme ça, ou l'eau qui est très très claire, parce qu'il y a la houle qui est comme ça. Et le fait de prendre tous ces paramètres nous permet, parce que c'est un travail collaboratif, dans un endroit où je n'ai pas été, mais où j'ai des données liées à plein de modèles physiques ou parce qu'on a été mesuré. Si je vais, par exemple, dans le Nord Finistère, vous voyez, il y a un endroit où il n'y a pas de point, ça veut dire qu'on n'a pas été de faire de vérité terrain. Mais par contre, si je vais dans un endroit où il y a de la roche à 10 mètres d'eau et que sur cet endroit-là, j'ai telle température moyenne, telle houle, je regarde les données de mon modèle et je peux dire, voilà, à cet endroit-là, la valeur de la biomasse que l'on peut estimer est de temps. Pourquoi on fait ça ? Pour avoir un travail qui est à l'échelle-là de la Bretagne,
de pouvoir estimer la biomasse que l'on a sur nos algues. Là, c'est un travail qui a été réalisé sur la Minaria hyperborea. Et on a fait ce travail sur toute la côte de la Bretagne. Et le travail qu'on a réalisé il y a 2 ans maintenant fait que l'estimation moyenne de la... qui sont plus sexy, je serais tenté de dire. On parle souvent des barrières de corail, que ce soit la barrière de corail en Australie ou plein d'autres endroits. Je pense qu'il faut avoir en tête que ce genre de milieu est aussi riche ou doit avoir autant de respect que ces milieux-là, en fait. Et pouvoir y mettre quelques chiffres derrière, c'est montrer aussi toute leur importance, en fait. Derrière, on a donc des bateaux. Vous vous souvenez de la photo de mon bateau. Sur chacun des bateaux, aujourd'hui, on a une balise GPS et on sait où il est tout le temps. Le fait de savoir où il est tout le temps, je suis capable de dire combien de temps il va passer à pêcher et combien de temps et quelle quantité il a pêché pour un temps de pêche. Et le fait d'avoir sa position, je vais pouvoir représenter la production partout. Alors, je vous ai mis 2 cartes. Et celle qui est à gauche, c'est la première carte où il y avait des erreurs. Pourquoi il y avait des erreurs ? Parce qu'en fait, on avait mal positionné certains bateaux. Une fois la correction faite, voilà la carte qui est aujourd'hui la meilleure. C'est pour Hyperborea. Chaque rond montre en fait le taux d'exploitation. Qu'est-ce que le taux d'exploitation ? C'est vous avez la biomasse qui est de 1000 tonnes. J'en ai exploité 100 tonnes. Donc j'ai un taux d'exploitation de 10% en fait. Et donc vous voyez la représentation, on a des zones qui sont beaucoup plus exploitées que d'autres. Pourquoi ? Parce que la biomasse, elle est importante, mais surtout parce que l'accessibilité est plus importante. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en mer, en fait, travailler dans un endroit où il y a du courant et où c'est profond, c'est beaucoup plus compliqué que d'en travailler dans un endroit où c'est moins profond, il y a moins de houle. Et donc un bateau qui est une entreprise économique va faire des choix stratégiques pour aller pêcher la quantité qu'il a besoin, mais là où c'est le plus facile pour lui. Et donc la répartition de ces bateaux-là, c'est aussi en fonction de cette facilité-là. Et l'autre aspect qui est extrêmement important à la pêche et qu'on retrouve aussi un peu là, c'est officiellement, vous pouvez aller plus ou moins où vous voulez, même si c'est cadré. Mais après, chaque bateau a son expérience. Un agriculteur aujourd'hui, si vous allez le voir, il vous dit ce champ-là, il travaille comme ça. Il a l'expérience de sa zone de travail. Un pêcheur, c'est exactement pareil. Et donc, on a cette répartition. C'est aussi lié au savoir de chaque pêcheur et le fait qu'il préfère pêcher là parce qu'il est plus, enfin, il a développé sa compétence par rapport à sa zone. Le fait d'avoir ces données-là, c'est vraiment des données de diagnostic et que l'on transfère aux pêcheurs et pour voir si, effectivement, l'exploitation elle est réalisée de manière durable. Et c'est vraiment ça l'objectif que l'on a. Donc, c'est un travail qui est fait pour l'Hyperborea. On fait aujourd'hui la même chose pour la Minaria digitata, c'est la nouvelle carte qui apparaît, où là, on voit aussi qu'on a par contre... des taux d'exploitation là de 60% qui sont un peu plus importants. Je vous expliquerai pourquoi. C'est parce que en fait cette algue-là, elle a un cycle de 4 ans et elle a une variation de biomasse qui est beaucoup plus importante entre l'été et l'hiver. Et en gros, la biomasse qui est présente en été, si elle n'est pas récoltée par les pêcheurs, il y a 50% à 70% qui de toute façon l'hiver va être arraché par les algues ou va s'éroder parce que la plante va diminuer en taille. Donc on a une exploitation qui en taux d'exploitation qui peut être beaucoup plus important. On peut récupérer plus de biomasse que pour certaines algues. Alors, c'est bien d'avoir une idée de ce qui se passe à tenter. Là, je vous présente aussi ce que l'on peut avoir sur le temps long et avoir une information de qu'est-ce qui s'est passé au cours des années et avoir des tendances. Sur cette algue-là, la Minaria digitata, qui est l'algue la plus importante en récolte, 50 000 tonnes, je vous ai dit environ, on fait des suivis le long de la côte, en fait, qui nous permettent de savoir tous les ans qu'est-ce qu'on a à peu près comme données. Un point important dans la série que j'ai depuis plus de 20 ans, c'est qu'on a 2 années, notamment une année, 2014, qui est vraiment critique. Et cette année critique, elle était vraiment liée à des conditions de tempête qui ont tout arraché. Et notre milieu, en fait, en 2014, très peu de biomasse, et ça s'est vraiment ressenti au niveau de l'exploitation. On a pêché beaucoup moins. Et progressivement, on a des milieux qui sont relativement résilients. En 3-4 ans, on a réussi à retrouver cette biomasse relativement importante. Et globalement, nous, dans la bulle du Nord Finistère, en fait, mais Philippe y reviendra après, on a une eau qui est relativement tamponnée, on a un petit peu d'augmentation de température, mais on est vraiment dans les conditions de température qui sont vraiment favorables pour cette algue-là. Et bon an, mal an, sur une tendance, on n'a pas vraiment de tendance à la diminution ou à l'augmentation de la biomasse dans cet endroit-là. Par contre,
Donc il faut le prendre, quand même prendre en compte, et une année qui serait mauvaise, il faut vraiment adapter l'exploitation. Par contre, on a une saisonnalité qui est montrée ici avec tous les mois, c'est la valeur de biomasse par mètre carré qui est sur le fond. Et la biomasse la plus importante au cours de l'année de cette espèce-là, c'est en juin, juillet, août. Et donc la gestion et l'exploitation est autorisée, là ça va commencer dans 15 jours, à partir du début mai, avec progressivement une augmentation du nombre de jours où les bateaux peuvent aller en mer. Donc on prend en compte la tendance annuelle, si une année est bonne ou pas bonne, et on prend en compte cette tendance saisonnière d'une présence de la biomasse. En fait. Nos bateaux géoréférencés dont je vous parlais tout à l'heure, le gros avantage aujourd'hui, alors c'est une flottille qui est complètement suivie de manière très très fine, c'est que je peux, pour chaque bateau et chaque jour, je peux savoir son rendement. Et l'utilisation de toutes les données de tous les bateaux me permet d'avoir chaque année une estimation des rendements. Alors je suis désolé, il n'apparaît pas mes valeurs annuelles. La courbe la plus basse, c'était la courbe de 2014. Donc avec ces bateaux-là, on a pu suivre de manière vraiment très objective qu'est-ce qui s'était passé. Et la conséquence de mes tempêtes d'hiver, c'est qu'on avait un rendement qui était 2 à 3 fois plus faible qu'une année classique. Ce qu'on peut voir, c'est que les deux courbes en rouge, après, c'est 2015 et 2016. Il a fallu 2 ans pour retrouver des rendements corrects. Et depuis 2017, on a des rendements qui sont tout à fait cohérents avec ce que l'on avait précédemment, qui était la courbe en noir en haut, qui était 2013. Pourquoi 2013 ? Parce qu'on a installé ces systèmes-là à partir de 2013. Et donc, le fait d'avoir chaque bateau qui, finalement, un petit bateau scientifique qui apporte à la communauté une information tous les jours, on arrive à cadrer et à bien suivre l'évolution de la biomasse, et ça c'est vraiment important. Si on commence en début de saison là cette année et que mi-mai on est très bas dans les rendements, les pêcheurs, parce qu'on va leur fournir l'information, ils sont tout à fait capables de ralentir leur niveau d'exploitation, tout simplement en se limitant au nombre de jours de pêche ou en limitant les volumes produits par marée, en fait. Donc il y a vraiment une gestion adaptative, en fait, à la réalité de la biomasse qui est en place. Alors, évolution future, je reviens sur ce graphe-là, évolution future de cette biomasse-là, et je mets deux cartes, en fait. Enfin, je remets la carte que vous avez vue tout à l'heure, avec deux points importants, et ça va faire un lien avec ce que va vous présenter après Philippe. Je vous présente deux points qui sont à l'est, l'un au nord-est, qui n'est pas très loin d'ici pour ceux qui connaissent, donc on est sur les côtes de Saint-Malo, avec des points qu'on a réalisés en 2004-2019. Une présence de nos algues, les deux algues que je vous ai montrées, très très faible, voire dans certains endroits on n'en trouve plus. Vous allez à la pointe du Groin, je vous mets au défi à la pointe du Groin de trouver une laminaire, que ce soit Digitata ou Laminaria hyperborea. Moi, j'en ai pas trouvé, pourtant je sais comment elles sont, j'en ai pas trouvé. Il faut se redécaler de presque 5 ou 6 km en remontant vers Saint-Malo pour recommencer à trouver sa présence. Et une présence qui redevient, on va dire, dans des densités à peu près correctes devant Saint-Lunaire, en fait. Là, on a les conséquences des températures très très chaudes en été, où en fait, cette algue-là, elle arrive dans des niveaux qui lui sont létales, et on a vraiment une diminution de la présence. Pareil en Bretagne Sud, vous allez autour de Watt et Dick, où vous avez vraiment des endroits où en fait la densité elle est vraiment très très faible. Donc on a vraiment des aspects d'environnement qui agissent sur nos algues-là. Donc soit des grosses tempêtes comme en 2014, ou des aspects de température qui fait que la présence de nos algues elle est vraiment plus limitée. Et on peut avoir d'autres impacts, comme à la sortie de la Vilaine, les fortes crues où l'apport important d'alluvion peut générer une turbidité très forte et qui agit très clairement sur nos champs d'algues avec une disparition parce que les conditions lui sont plus très favorables. Donc là, on a à la fois des conditions d'anthropisation qui sont le changement, en partie le changement climatique, mais aussi de l'activité humaine qui agit directement le lien entre bassin versant et puis présence de votre biomasse le long de la côte, et il est vraiment, vraiment très conséquent. Mais les algues, quand elles s'arrachent, quand elles disparaissent, c'est un problème, mais je vous ai parlé d'arrachement d'algues pendant l'hiver, il y a plein d'intérêts, et puis ces algues-là, quand je vous ai parlé d'écosystème au début, c'est quand elle est en place, elle a vraiment un rôle, mais quand elle se détache et quand cette matière organique en fait, se déplace et va dans d'autres endroits, elle est vraiment exploitée aussi. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé en thèse par Florian, où il a bien montré en fait, que ces algues-là, d'une part, même arrachées, peuvent continuer à être actives, voire même peut-être de se reproduire. Mais vous avez toute une faune qui va se fixer dessus. D'abord, des premières espèces relativement opportunistes qui vont être très très nombreuses. Et après, on va avoir une complexification, on va créer une communauté d'espèces qui va utiliser toutes ces algues-là. Et donc,
l'algue, en fait, sa matière détritique va être vraiment utilisée. Donc, en fait, ce qu'elle a produit, la matière première va être valorisée, en fait. Et ça, c'était aussi important de le mesurer. Quand je vous disais 2,5 millions de tonnes d'algues, et donc c'est de la biomasse qui a un rôle extrêmement important quand elle est sur place, mais aussi quand elle est désagrégée ou quand elle part en matière d'étiquette. Et si on reprend ces chiffres-là, il faut bien avoir presque en tête que, alors c'est un petit peu au doigt mouillé, mais c'est entre 600 000 et 800 000 tonnes de matière organique qui est remise dans le milieu et qui est produite pour le milieu, et donc pour la richesse du milieu. Pourquoi ces quantités-là? La Mineria digitata, vous avez montré, il y a vraiment une saisonnalité de présence, parce qu'en fait, la biomasse d'été, elle est en partie arrachée, donc elle part. Et pour ce qui est de l'autre algue, la Mineria hyperbora, tous les ans, en fait, la lame, en fait, elle disparaît. Au début de l'hiver, en fait, c'est un peu comme un feuillu, en fait, il va refaire ses feuilles. Là, c'est exactement pareil. La lame, en fait, il y a une nouvelle lame qui se développe, et l'ancienne lame est arrachée. Et donc, ça représente, selon les plantes, jusqu'à un tiers de la biomasse de l'algue qui est complètement remis dans le milieu. Évolution future. Alors, je ne veux pas du tout être pessimiste, mais c'est pour vous montrer qu'il y a de questions assez importantes par rapport à des dynamiques à long terme. Normalement, là, si vous vous souvenez des photos du début, vous aviez des superbes stipes, des belles frondes, il y avait plein de poissons. Et ben là, c'est au large de Molène, donc haute qualité. Ça, c'était il y a 2 ans, juste à la fin du premier confinement. On fait une plongée. Voilà ce que l'on voit au fond. Toutes les frondes étaient. Imaginez, vous allez en forêt, vos chênes, et ben, il y a plus rien sur vos chênes. Ils ont été coupés. Et puis en plus, ils peuvent plus repousser. Donc, on a eu cette situation-là. Alors, parmi les questions qu'on a pu se poser, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est des maladies? Est-ce que vraiment on a eu à cet endroit-là un changement de l'environnement? Ou impact d'activité humaine. Pour l'instant, on n'est pas forcément capable de savoir ce qui s'est passé. Alors, peut-être que ce genre de situation ont pu être visibles par le passé, mais on n'avait pas encore vraiment d'observation ou de suivi régulier qui nous permette d'observer ça. Mais le fait qu'aujourd'hui, dans notre travail, la plongée est vraiment un outil important, mais qu'on a aussi plein de plongeurs amateurs qui vont sous l'eau, ce type de phénomène, quand ils existent, on peut les voir. On ne sait pas encore trop ce qui s'est passé. Par contre, ce qui est important, alors je vous montre ici, en fait, c'est des suivis qu'on a fait sous l'eau. Ça, c'était un an après la présence, enfin l'observation. On avait nos plans, tous les plans faisaient moins de 30 cm. L'axe qui est en bas, c'est la taille des plans, et l'axe vertical, c'est le nombre de plans sur des petites surfaces. Et on n'avait plus que des petits plans, là où normalement on a des tailles supérieures à 100-150 cm, donc jusqu'à 1,50 m. On est revenu un an après, donc ce qu'on peut dire, voilà, il y a un aspect de résilience, notre système il est capable de se remettre en route en fait, et la croissance elle est de nouveau présente, et donc d'ici un an on devrait retrouver une belle biomasse et l'écosystème va se reconstituer en fait. Et c'est pour vous dire que ces laminaires-là, pour nous, aujourd'hui ça devient vraiment un... Il faut qu'on les suive comme en fait un indice biologique de l'impact ou pas d'un changement climatique, puisque ces algues-là sont très très dépendantes des conditions de l'environnement. Et là, pour finir, 2 exemples où en fait, tous les ans, on va dans des endroits et on suit la structure de taille de la population, ce qui nous permet de voir si en fait on a une stabilité ou pas de notre population. Et dans le cadre actuel de toutes les questions liées au changement climatique et comment ça intervient, on ne peut pas faire des mesures de partout, mais par contre, on est capable d'aller faire des suivis d'espèces qui sont structurantes ou ingénieures comme ces algues-là, et pouvoir dire, oh là, attention, il s'est passé quelque chose, et là, donc, on a des éléments pour vraiment traduire ce changement-là. Voilà pour la partie que je voulais vous présenter, et je laisse la parole à Philippe pour la suite. Oui, bon, rebonsoir à tous. Donc oui, merci Martial, effectivement, d'avoir parlé de ces conditions donc climatiques sur cette principale ressource en fait hein, qui était essentielle à l'industrie des algues donc en Bretagne. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc je voudrais continuer sur cette problématique d'impact du changement climatique, puisque aujourd'hui vous avez peut-être entendu parler dans l'actualité que les algues pourraient représenter des solutions par rapport
au grand bouleversement climatique qu'on a, et en particulier sur la captation de carbone. Et Martial l'a déjà illustré, effectivement, en montrant effectivement cette production de matière organique et cette exportation de matière organique. Une partie, effectivement, de cette matière organique est stockée dans des sédiments et contribue à du stockage de carbone. Mais en fait, actuellement, on peut aussi être inquiet sur l'avenir, justement, de ces puits de carbone qui sont présents dans tous les océans tempérés et froids donc, du globe aujourd'hui, sans compter, bien sûr, de tous les autres algues aussi qui stockent du carbone, parce que le changement climatique donc, les menace directement. Et donc, comme Martial l'illustrait, peut avoir des conséquences létales, a des conséquences énormes sur leur capacité de reproduction. Et donc, je vous présente ici justement l'impact sur cette diapositive de l'impact prédit du changement global sur les ressources aussi d'algues de rive. Donc, Martial parlait tout à l'heure des laminaires. Ici, on a affaire donc à des fucus et des ascophyllum, donc des algues brunes qui sont essentielles pour faire tourner un certain nombre d'usines qui ne sont pas très loin, notamment à Saint-Malo, et qui fournissent aujourd'hui des produits pour une agriculture nouvelle, en particulier donc des produits biostimulants, par exemple, pour les plantes, ou des produits qui stimulent la défense naturelle des plantes en alternative à des pesticides. Donc si on prend ces modèles en fait, qui sont sur toutes ces petites cartes de l'Europe, qui sont des modèles de niche pour ces principales espèces donc, concernées, et qu'on regarde effectivement leur distribution en fonction des prédictions du GIEC sur l'évolution des températures moyennes donc dans les océans, ben on s'aperçoit en fait que d'ici 2100 à 2200, ces algues pourraient avoir disparu de la pointe bretonne. Donc je ne détaille pas bien sûr ces analyses de carte par carte, mais globalement effectivement, ces modèles prédisent que ces espèces pourraient disparaître. Je pourrais vous présenter la même chose pour les laminaires, mais je voudrais aussi donc revenir sur effectivement un aspect que Martial a souligné. C'est l'impact aussi des effets régionaux aujourd'hui, notamment des tempêtes et des houles, comme ce fameux hiver 2013-2014, qui avait effectivement été rapporté dans la presse, où plus de 50% de la biomasse de laminaire s'était échouée sur les côtes, et où énormément aussi de laminaire hyperboréa s'était échoué, mais en proportion moindre, et c'est ce qui a permis effectivement la bascule que Martial montrait dans ses graphes tout à l'heure. Ces effets régionaux, on sait effectivement qu'ils peuvent être liés à des effets cycliques de tempêtes et autres, mais on sait aussi que la fréquence et l'intensité des tempêtes donc, est en train d'augmenter avec l'impact du changement global, et donc on peut craindre effectivement que ces phénomènes puissent se renouveler. Cet hiver, on a eu encore des conditions de houle importantes, mais pas aussi importantes que cette année-là, et pas forcément en conjonction non plus avec des grands coefficients de marée. Et cet aspect-là, il est intéressant effectivement à pointer dans le contexte aujourd'hui de l'exploitation et de la localisation géographique de l'exploitation des algues en Bretagne, puisque aujourd'hui, donc l'exploitation va surtout se concentrer sur la zone nord-ouest en fait. Donc de la Bretagne, le Finistère Nord et jusqu'au Finistère Sud. Et si vous représentez donc cette carte donc sur la gauche, qui schématise effectivement par l'intensité des couleurs donc les températures moyennes donc sur l'année, vous voyez qu'effectivement la Bretagne Sud s'est beaucoup réchauffée donc au cours des dernières décennies. C'est de même aussi la Bretagne du Nord-Est aussi s'est beaucoup réchauffée. Et en plus, si on fait la proportion de l'élévation donc de l'élévation de température au cours des deux dernières décennies dans ces zones-là, on a vraiment des zones de forte montée en température, comme le nord-est Bretagne, avec plus 0,8 degrés donc effectivement d'augmentation et 0,5 en Bretagne Sud. Toutes les zones ont augmenté, mais par contre on a cette poche d'eau froide donc qui est en mer d'Iroise en particulier, qui est préservée. Alors pourquoi effectivement les océanographes nous l'avaient montré depuis longtemps, et en particulier donc au cours des années 2000, à partir notamment de l'exploitation d'images satellites qui sont sur la droite, on peut effectivement suivre maintenant les températures en surface moyenne donc sur toute l'année et donc avoir des observations journalières qui permettent vraiment d'illustrer effectivement qu'on a cette poche d'eau froide qui ne se mélange pas avec les eaux chaudes, donc effectivement avec les couleurs chaudes du large, et qui aussi en fait en fonction des courants de marée entre en gros l'île de Bas et l'île de Sein, avec bien sûr aussi localement des zones de réchauffement plus locales comme l'arête de Brest ou la baie de Dordogne.
Donc tout ça, ça explique aujourd'hui la distribution des algues et les travaux à la fois de suivi de l'exploitation, mais aussi des travaux sur la biodiversité associés aux champs d'algues ont clairement montré en fait l'impact de tous ces effets, et en particulier les changements profonds de biodiversité donc algale associés à toutes les laminaires donc dans les zones nord-est Bretagne ou sud Bretagne par rapport à une stabilité dans la mer d'Iroise. Donc quelque part, on a actuellement une situation de stabilité. Bah, qui peut nous rassurer, qui peut rassurer en tout cas les exploitants et les industriels qui bénéficient des algues, mais on peut quand même se poser un ensemble de questions sur l'avenir de cette activité, suivant la stabilité effectivement de ces fronts hydrographiques dans le futur, sachant que, y compris maintenant, les usines qui peuvent tourner par exemple à Saint-Malo sont approvisionnées par des algues qui viennent essentiellement du Finistère Nord ou des Côtes d'Armor. Donc c'est des préoccupations qui sont vraiment très très prégnantes pour les récoltants d'algues de rive qui voient donc dans des zones des biomasses fluctuées. Donc comme l'a dit Martial, c'est des encadrements en fait des pratiques de récolte qui sont essentielles aujourd'hui pour anticiper effectivement les effets de ça. Mais on va le voir tout à l'heure. Ça amène aussi ces récoltants d'algues de rive et tous ces exploitants en fait, à se poser la question de comment demain continuer à avoir des approvisionnements en biomasse, et y compris avoir donc, des approvisionnements en biomasse qui permettront de relever un certain nombre d'enjeux qui sont liés à l'exploitation des algues aujourd'hui, et en particulier ben, celui d'apporter effectivement, de l'alimentation à partir des algues. L'exploitation des algues aujourd'hui dans le monde, donc majoritairement, elle produit des aliments ou des ingrédients pour l'alimentation. Donc c'est vrai que dans l'exploitation qui est faite en Bretagne, c'est surtout des ingrédients qui sont produits à partir des algues qu'on exploite, comme nos laminaires, ou des algues qu'on importe maintenant, parce qu'on importe aussi beaucoup d'algues rouges, qui vont rentrer donc comme éléments gélifiants, épaississants, dans des tas de préparations, qu'elles soient lactées ou autres, voire donc y compris dans des viandes allégées et toute une des produits agroalimentaires aujourd'hui. Et mais c'est aussi donc des produits qui rentrent effectivement donc dans d'autres applications. C'est des produits qui sont très très abondants dans les algues parce qu'ils sont contenus donc dans toutes les parois qui en fait entourent chaque cellule de l'algue et qui peuvent représenter jusqu'à plus de 50% en fait de la masse d'une algue. Donc c'est des chaînes de longs sucres qui sont très très qui font l'essentiel aujourd'hui de nos applications industrielles, qui sont aussi à la base d'un certain nombre de développements d'applications des algues en agriculture, en particulier dans le domaine de la protection des plantes avec donc des produits comme ceux qui sont développés par des entreprises comme Goemar à Saint-Malo pour justement trouver des alternatives aux pesticides. Je ne détaille pas effectivement les mécanismes de ces sucres, mais quelque part ils miment en fait des attaques par des pathogènes pour alerter la plante et mettre en place un système immunitaire qui est bien sûr différent du système immunitaire qu'on peut trouver chez les mammifères. Ça ne passe pas par des anticorps, mais ça passe par une préparation effectivement qui peut permettre d'anticiper la maladie et donc de ne plus avoir recours effectivement à des traitements pesticides si la maladie se déclare, à condition bien sûr que ce soit dans des conditions acceptables par rapport à la production donnée. Donc ces solutions, elles sont vraiment très importantes, elles sont liées à cette exploitation des algues, mais on a bien sûr bien d'autres utilisations des algues qui sont aussi très importantes en Bretagne, que ce soit donc dans le domaine pharmaceutique et les laminaires donc récoltés par ces bateaux rentrent dans la composition notamment donc sur la base d'extraction de produits comme des alginates qui sont à la base par exemple des pansements gastriques que vous avez peut-être utilisés si vous avez des reflux gastriques et qui vont former justement des pansements à la surface de l'estomac à partir de leur gélification à la surface du liquide gastrique. Elle rentre aussi dans la composition de produits cosmétiques et c'est assez exemplaire. En fait, en Bretagne, on a une grande richesse en fait, d'entreprises cosmétiques qui ont une portée mondiale, en fait, parce qu'elles fabriquent un certain nombre de produits qui ne sont pas concurrencés, même par des systèmes qui sont développés en Asie et qui sont basés sur le fait de la proximité en fait, des usines qui extrayaient les alginates. Et d'entrepreneurs en fait, qui ont eu l'idée d'exploiter en fait, ces alginates pour en faire des produits cosmétiques, en particulier ces fameux masques de beauté en fait, hein, qui sont, dont la matière première effectivement, est issue de ces algues liminaires. Et puis il y a un domaine dont on entend beaucoup parler effectivement, dans les médias, qui est le domaine
des biomatériaux et d'autres produits, d'autres ressources chimiques, effectivement, qui sont présentes dans les algues. Donc, en particulier, comment les algues, demain, pourraient fournir des plastiques biodégradables, rentrer dans la composition de peinture pour remplacer un ensemble de produits pétrochimiques, remplacer aussi un ensemble d'agents tensioactifs qui sont issus du pétrole. Et on a une start-up ici à Rennes, à l'école de chimie, qui s'appelle Surfact Green, qui souhaiterait effectivement pouvoir exploiter ces solutions basées sur les algues. Et c'est des solutions d'avenir, mais qui se heurtent aujourd'hui à des besoins en fait en biomasse algale. Donc en fait, en production d'algues, on ne produit pas assez d'algues effectivement pour aujourd'hui assurer donc des applications dans ce domaine-là. Et donc toute cette richesse en sucre des algues, elle est essentielle et elle est présente dans notre vie quotidienne. Elle est présente aussi lorsque vous consommez des algues. Mais de manière effectivement pas forcément équitable au niveau mondial. Donc j'aime bien raconter cette histoire qui a été donc publiée par mes collègues de l'équipe de biologie marine à Roscoff il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Mais en fait, les algues, à travers leur alimentation, notre alimentation en fait, peuvent contribuer à modeler en fait notre microbiote intestinal. Donc elles le modèlent effectivement pour mieux digérer les algues, comme ça a été montré ici, avec le fait que des bactéries effectivement, du microbiote intestinal humain ont acquis donc, des gènes qui étaient présents dans les bactéries marines et qui permettaient donc, à ces bactéries marines de grignoter des algues. Donc ces transferts effectivement, ont eu lieu, en particulier dans le microbiote intestinal de populations japonaises, comme ça a été montré. Et c'était le premier exemple en fait, d'évolution en fait, du microbiote intestinal qui était lié à des produits alimentaires. Depuis, il y a eu d'autres exemples de montrer. Et cet exemple du nori japonais donc, qui fait les makis a été repris dans beaucoup de travaux en fait, au niveau du microbiote intestinal donc, humain et fait l'objet en fait, de beaucoup de recherches encore aujourd'hui. Donc il y a un gros enjeu aujourd'hui qui est lié à l'alimentation, effectivement. On va bientôt être peut-être 10 milliards d'humains donc d'ici 2050 sur la Terre. C'est les prédictions, effectivement, de la FAO. Et donc, en particulier, comment les ressources marines pourraient contribuer à combler une partie des besoins qu'on va avoir, sachant que beaucoup de pêcheries sont en limite effectivement d'exploitation et c'est pas le poisson seul qui pourra résoudre des questions même si il y a énormément d'enjeux effectivement sur les ressources en protéines à partir des poissons. Il y a d'autres productions marines bien sûr animales, en particulier la production de coquillages aujourd'hui dont on parle beaucoup et puis bien sûr il y a les algues qui sont développées à des échelles bien sûr très très différentes entre ce qu'on connaît ici donc ici dans la Rance avec Jean-François Arbonnat de l'entreprise Seaweed qui cultive effectivement des magnifiques laminaires sucrées comme celle-ci. Celles-ci sont encore un petit peu jeunes sur la culture. Et pourtant, donc, on a besoin donc, de plus de biomasse pour vraiment développer de nouvelles applications. Donc, dans le domaine alimentaire, bien sûr, direct, mais aussi pour remplacer, par exemple, les plastiques dans le domaine alimentaire. Aujourd'hui, on utilise des plastiques dans la consommation rapide pour envelopper toutes sortes de produits, que ce soit du ketchup, de la moutarde et autres, et les emballages sont partout, alors que des texturants d'algues en fait, hein, donc, peuvent très bien donc, devenir des emballages, et même devenir des emballages consommables. Et donc il y a aujourd'hui des startups, en particulier cette startup ici à Londres, qui se sont emparées de ça, et qui inventent tous les jours des nouveaux produits, y compris des revêtements plastiques, par exemple, sur des boîtes en carton, qui sont remplacés effectivement par ces extraits d'algues. Donc on a vraiment des gros enjeux. Le deuxième gros enjeu, bien sûr, il est effectivement de comprendre comment les algues peuvent nous aider à atténuer en fait, l'impact du changement global, l'impact du changement climatique, et aussi prévenir l'érosion de la biodiversité. Martial l'a très bien illustré, les forêts de laminaires et les forêts d'algues en général sont des vrais hotspots de biodiversité qui sont maintenant aussi bien reconnus que des récifs coralliens ou des mangroves ou d'autres écosystèmes marins. Mais on manque encore beaucoup de données scientifiques pour attester de l'importance de ces questions-là. Il y a aujourd'hui un effort mondial en fait, pour quantifier la séquestration du carbone par les macro-algues, alors qu'il passe par tout ce que Martial a déjà un petit peu décrit pour nos forêts locales. Ici, c'est sur des forêts donc,
plus australes, notamment les grandes forêts d'algues géantes qu'on peut trouver dans tout l'océan austral, autour de nos îles jusqu'en Californie et Alaska. Des forêts, effectivement, qui ont des algues géantes à plus de 60 mètres de hauteur, dans certains cas, qui vont aussi contribuer à lorsque une partie de la biomasse va être détachée, à enrichir les sédiments profonds, en fait, en matière organique, dans un environnement où, privé d'oxygène, il n'y a plus de décomposition et où, effectivement, on stocke du carbone. Donc, ces questions-là, elles sont importantes, à quantifier pour les forêts sauvages, mais relativement peu d'algues. Alors, les tonnages qui sont ici, si on fait le bilan, ne représentent pas encore 30 millions de tonnes sur ce graphique, mais aujourd'hui, les nouvelles statistiques FAO pour 2021 nous donnent 36 millions de tonnes d'algues produites essentiellement dans le monde, essentiellement en culture, à plus de 99%, Et les récoltes, représentent aujourd'hui de moins en moins, même si, paradoxalement, ici en Bretagne et en Europe, c'est l'inverse, en fait. On est plutôt à 99% de récoltes et à peine 1% ou 2% de production d'algues en culture. Et ces productions, elles se répartissent, entre des algues que vous connaissez, effectivement, intuitivement, brunes, rouges et vertes, dont essentiellement ce sont des algues brunes et des algues rouges qui représentent aujourd'hui l'essentiel des tonnages qui sont produits, pas toujours pour des applications identiques, puisque les algues brunes qui sont produites mondialement aujourd'hui, principalement dans les pays asiatiques, Japon, Corée, les Corées et la Chine, sont des aliments directs. C'est des algues dont Martial a parlé un petit peu, comme bien sûr des algues de type laminaire, comme le wakame, qui est Ondaria pinnatifida, le kombu, qui est l'algue sœur de ce Saccharina latissima, et puis d'autres algues qu'on trouve au Japon, comme l'iziki, le mozuku, et puis nos spaghettis de mer, nos haricots de mer ici, les immentales, qui sont vraiment des aliments qu'on peut consommer entièrement. Et puis bien sûr, une partie des algues brunes contribue, comme c'est le cas pour nos algues sauvages, à produire pas mal d'ingrédients, et des produits, notamment les épaississants et gélifiants, mais aussi des produits pour l'agriculture et d'autres applications. Les algues rouges, tant qu'à elles, c'est les plus grands développements aujourd'hui de culture d'algues dans le monde, principalement en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Est. Ça représente maintenant près de 20 millions de tonnes, effectivement, de production, mais c'est essentiellement pour en produire des agents texturants, des carrageenanes et des agars, donc des produits qu'on va retrouver dans des tas de préparations agroalimentaires, qui sont produits principalement avec des algues tropicales. Les agars-agars, c'est essentiellement avec des algues comme les gracilaires, et puis, bien sûr, il y a des algues rouges qui sont produites au niveau mondial, qui rentrent directement dans notre alimentation. C'est le cas, bien sûr, du nori, dont j'ai déjà parlé, qui est à partir des espèces de type porphyra, qui rentrent dans la composition des maquis, mais aussi dans d'autres produits maintenant en Europe. Et puis d'autres algues qu'on va trouver ici localement, des algues rouges comme la dulse ou le chondrus, qui deviennent des algues alimentaires importantes en Europe. Les algues vertes, aujourd'hui, dans le monde, c'est essentiellement des algues qui sont utilisées comme aliments, et puis un petit peu sur les marchés de l'agriculture, mais avec des tonnages qui ne sont pas du tout comparables avec les tonnages des autres groupes d'algues. Donc l'aquaculture en mer, elle se développe très lentement, en Europe, et en particulier en France, même si depuis plus de 30 ans, on a des pionniers qui se sont lancés. On a une diversification, effectivement, de cette algoculture qui va aller vers des produits, notamment pour les marchés des biotechnologies et de la cosmétique. Ici, à Ouessant, une petite algue rouge qui est très riche en composés antimicrobiens, qui a été cultivée depuis plus d'une vingtaine d'années sur Ouessant et qui a permis de développer un centre de produits pour cette entreprise Alguémère, et qui, montre l'exemple de beaucoup d'entreprises cosmétiques qui se tournent aujourd'hui vers la culture d'algues en Bretagne, mais pas forcément pour cultiver des gros volumes et pas forcément pour cultiver en mer. J'y reviendrai. Ce qui se développe le plus en Bretagne aujourd'hui, c'est effectivement l'aquaculture en mer et à terre pour l'alimentation humaine, mais on reste avec des tonnages qui sont très très modestes. Martial parlait tout à l'heure de dizaines de milliers de tonnes fraîches de laminaire récoltées par nos bateaux. Par notre flotte embarquée. Ici, on est sur des tonnages de quelques centaines de tonnes.
Et en fait, ces algues de culture peinent à trouver de nouveaux marchés, même si leur prix, effectivement, sur le marché commence à être intéressant. C'est des algues qui, pour donner un ordre de grandeur, donc sont vendues 100 fois plus chères que des algues donc laminaires qui sont récoltées par nos bateaux embarqués. Donc il y a effectivement de la plus-value effectivement à cultiver ces algues, mais le marché n'est pas assez développé aujourd'hui pour qu'on passe à des échelles effectivement comparables à celles qu'on peut trouver en Asie pour l'instant. Donc l'aquaculture à terre, c'est quelque chose qui s'est développé aussi il y a plus d'une quarantaine d'années, en particulier justement dans des pays occidentaux qui se heurtaient effectivement à un ensemble de problèmes de développement de culture en mer, mais surtout aussi qui voulaient maîtriser la qualité en fait des productions et ont développé ces systèmes de bassins à terre qu'on a vu fleurir donc notamment au Canada, ici en Nouvelle-Écosse, avec une entreprise qui existe toujours et qui produit aujourd'hui à partir de tous ces bassins qu'on voit sur le haut de la diapositive des algues qui sont vendues à plus de 70 € le kilo humide sur le marché japonais. Donc là aussi des productions à très forte valeur ajoutée. Et puis un site qui est pas très loin d'ici, donc en Vendée, sur le polder de Boin, qui existe donc depuis plus de 40 ans maintenant, presque 40 ans, et qui donc a cultivé beaucoup d'algues rouges effectivement à son début, et qui maintenant s'est transformé en site de culture de microalgues. Pourquoi ? En fait, c'est parce que donc, les cultures de microalgues ont révélé, de macroalgues, d'algues rouges, ont révélé qu'elles pouvaient être associées à beaucoup de productions d'une petite algue microscopique brune, qui en fait est une algue de la famille des diatomées et qui produit énormément de ces fameux acides gras en oméga-3. Et en fait, l'algoculteur qui avait développé ce système-là s'est aperçu qu'il pouvait, à partir de co-cultures en fait, entre des macroalgues et des microalgues, produire des cultures de cette microalgue pure et en fait, la valoriser beaucoup mieux que des macroalgues. Et donc ce site tourne toujours, mais aujourd'hui, pour produire cette pâte de diatomée qui sert notamment à beaucoup de préparations alimentaires pour les enrichir en oméga-3. Donc ces systèmes à terre, ils se développent, et notamment donc Martial commençait sa conférence effectivement par introduire le projet Idéalgue, donc un projet collaboratif qui s'est déroulé au cours des 10 dernières années, donc essentiellement à l'ouest donc de la France, avec beaucoup de producteurs, et notamment un producteur d'ormeaux qui est basé à Plouguerneau, qui s'appelle Sylvain Huchette, qui a créé une entreprise française Lotis, qui a besoin d'algues pour nourrir ses ormeaux et qui a développé donc différents types de systèmes pour aujourd'hui produire ces algues donc en culture, et notamment des algues vertes comme c'est l'étude mer. Vous voyez effectivement que ces algues peuvent être belles et que c'est pas seulement donc des algues d'échouage et qu'elles ont des taux de productivité qui sont vraiment très très importants. C'est un système qui a été inauguré très récemment en juin 2021, qui produit actuellement plus de 50 tonnes donc d'algues fraîches par an et qui servent à nourrir les ormeaux, mais qui très prochainement aussi va redevenir à sa fonction qui avait été pensée initialement. Il va produire aussi des algues donc qui vont être certifiées en agriculture biologique pour l'alimentation humaine, parce que donc cette ferme en fait de culture était agréée en agriculture biologique jusqu'à ce qu'un certain règlement fasse perdre cet agrément, et un agrément qui a été retrouvé. On pourra en parler parce que ça fait partie effectivement aussi des problématiques auxquelles font face les producteurs, et qui sont essentiellement liées à la qualité bien sûr de nos milieux, et puisque la qualité effectivement aujourd'hui pour décerner un label d'agriculture biologique en aquaculture est essentiellement liée à la qualité de l'eau et bien sûr à la qualité du produit fini, mais la qualité du produit fini elle est très bonne. Donc en Bretagne, on a aujourd'hui pas mal de débats et pas mal aussi de questions citoyennes autour du développement de l'algoculture, et pour savoir effectivement comment cette algoculture pourrait se développer. Qu'est-ce qu'elle doit se faire à petite échelle, comme c'était le cas des premières exploitations qui se sont développées dans la Rance et dans le Finistère? Ou est-ce que ça peut aussi se faire à plus grande échelle pour répondre à des besoins de biomasse qui sont de plus en plus importants? Et notamment donc des entrepreneurs se sont lancés, donc notamment dans la région de l'Esconil, avec des surfaces beaucoup plus considérables que par le passé,
Par le passé, on avait des fermes qui pouvaient osciller entre 4 et 15, 20 hectares maximum. Là, c'est des surfaces de 150 hectares qui ont été acquises en concession donc, par ces entrepreneurs. Et il y a un projet d'extension sur Moylan-sur-Mer qui a fait pas mal de vagues au cours des années, qui va dépasser les 200 hectares. Donc ces projets se développent et ont besoin effectivement d'être assistés par beaucoup de recherche-développement. En fait, c'est ce qu'on a essayé de développer dans le contexte du projet Idéal, de faire vraiment des transferts entre des connaissances fondamentales qui sont liées à la génétique des algues et à la connaissance donc, de la biologie de la reproduction des algues, qui sont essentielles, bien sûr, pour maîtriser donc, les cycles de reproduction. Sans la maîtrise des cycles de reproduction, on est incapable donc, de développer des cultures d'algues. Et c'est ce qui s'est fait, donc, bien sûr, en Asie, donc par le passé. En fait, le principal obstacle qu'on a pour cultiver un certain nombre d'espèces, y compris par exemple avec ton centre de diapositive qui est la dulse, c'est essentiellement donc le fait que ce cycle de vie en fait de l'algue qui passe par différentes phases n'est pas complètement maîtrisé et ne permet pas en fait de faire des ensemencements d'algues pour donc par exemple ensemencer des cultures en mer. Donc c'est des questions qui sont posées, mais on a aussi les mêmes questions que dans les systèmes terrestres. En fait, c'est effectivement la génétique des algues doit être prise en compte lorsqu'on commence à faire de la culture, et on doit effectivement aussi faire de la sélection variétale pour les algues si on veut améliorer effectivement les potentiels de culture. Sans compter bien sûr qu'il faut aussi lever un certain nombre d'obstacles et des moteurs socio-économiques de cette activité-là. Donc c'est tous ces objectifs-là qu'on a donc adressés ces dernières années dans un projet collaboratif avec notamment, y compris, des collègues des sciences sociales. Donc, et de même, qui dit aussi développement de cultures d'algues à plus grande échelle peut aussi amener à des développements de maladies, comme c'est le cas en Asie, avec les cultures de nori, par exemple, qui peuvent connaître des pertes économiques, hein, qui peuvent représenter jusqu'à 10 à 20% donc de la production chaque année, parce qu'il y a donc des parasites et des opportunistes, effectivement, qui s'attaquent, que ce soit des champignons, que ce soit différents groupes, effectivement, y compris des virus, comme c'était illustré sur cette diapositive. Et ça, c'est un défi encore plus grand en mer, puisque aucun intrant n'est acceptable en mer. Et donc, en fait, comment pouvoir anticiper ça, c'est notamment par la sélection variétale de variétés résistantes, mais aussi en explorant des solutions qui sont aujourd'hui explorées à terre, comme le potentiel d'immunostimulation des plantes que j'ai illustré au départ. Donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on a présenté avec Martial, aujourd'hui, en Bretagne, on a une filière qui existe donc depuis très longtemps, qui a évolué, qui a connu beaucoup de bouleversements, mais qui, bon an, mal an, aujourd'hui, se base sur différents types de ressources, en fait. La ressource dont Martial a vraiment montré comment elle était gérée aujourd'hui de manière très stricte, avec maintenant même moins que 35 bateaux, mais qui représente un très fort tonnage, donc 75 000 tonnes récoltées par an en moyenne entre les deux espèces, et qui vont principalement vers les industries donc, des alginates pour des applications en pharmaceutique, en cosmétique, donc de plus en plus d'ailleurs d'applications à forte valeur ajoutée, avec deux entreprises qui sont dans ce domaine-là, donc l'usine GRS donc, de Landerneau et l'usine Algaïa de l'Anilis. Et puis, un certain nombre d'acteurs qui sont liés à ces activités-là, comme donc des entreprises qui sont dans le domaine de la cosmétique. Mais le domaine de la cosmétique va avoir des besoins beaucoup plus larges et va s'appuyer sur des récoltes d'algues à pied, qui représentent en fait quelques milliers de tonnes par an. Ça fluctue, en fait. 10 000 tonnes, c'est des chiffres qu'on n'atteint plus aujourd'hui en Bretagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de zones où la ressource n'est plus suffisante pour développer notamment des récoltes pour des algues qui vont aller vers l'agriculture. Et donc, ce qui s'est développé, par contre, beaucoup ces dernières années, c'est les récoltes d'échouage, en fait, d'algues dérivantes, donc dans la marée verte, bien sûr, mais aussi dans les algues rouges, que vous avez peut-être vu sur les côtes donc, du golfe du Morbihan ou les côtes vendéennes,
Et même du côté de Saint-Malo, il y a de plus en plus d'échouages en hiver de ces algues qui sont un petit peu comme les algues vertes, profitent des conditions donc, d'enrichissement en nutriments du milieu, mais prolifèrent plutôt dans les zones où il y a beaucoup de turbidité en fait, et où les algues vertes sont désavantagées. Les algues vertes ont besoin de beaucoup plus de lumière, au contraire, les algues rouges sont les algues qui aiment plutôt l'ombre et se développent très très bien, même si la lumière n'est pas abondante par rapport à leurs adaptations justement pigmentaires avec leur pigment rouge. Et puis l'aquaculture, donc, que je viens d'illustrer, qui représente un gros enjeu, parce qu'elle pourrait demain fournir de plus en plus d'algues alimentaires, mais aussi, bien sûr, elle remplit des besoins pour les industries de la cosmétique, et puis ce que j'ai illustré tout à l'heure sur les demandes en biomatériaux avec différents acteurs. Donc ici, j'ai représenté un ensemble de logos d'entreprises bretonnes, mais en fait, c'est qu'une partie des près de 80 entreprises aujourd'hui qui se basent beaucoup sur ces ressources effectivement en algues bretonnes pour se développer, mais sont obligées aussi d'importer beaucoup d'algues de l'étranger. Donc il y a beaucoup d'enjeux, et une partie de nos recherches aujourd'hui sont vraiment basées sur les potentiels de développement de l'aquaculture, en comprenant et en anticipant effectivement les risques environnementaux de ces cultures d'algues, parce que donc elles pourraient donc menacer à son équilibre. Dans les écosystèmes, mais elle pourrait aussi, comme on l'illustrait tout à l'heure avec les algues sauvages, remplir un certain nombre de services pour les écosystèmes. Donc, la culture, par exemple, des algues donc, porphyra pour le nori en Asie et ici en Chine, a amené, par exemple, de manière complètement accidentelle, au déclenchement de la plus grande marée verte au monde, en Chine, qui a été médiatisée au moment... des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, parce que la voile olympique devait être réalisée dans la région de Qingdao, et la région a été envahie par ces bancs d'algues, qui ne sont pas des bancs de laitue, hein, puisque c'est des algues vertes plutôt filamenteuses qui prolifèrent là-bas, mais qui représentent effectivement plus d'un million de tonnes produites chaque année, et qui ont amené énormément de déséquilibres. Donc comment effectivement développer une aquaculture qui anticipe ces problèmes en tenant compte de ces leçons, mais aussi qui tient compte des études scientifiques qui sont menées dans les fermes aujourd'hui en Europe, et en particulier une étude qui a été faite dans le cadre du projet européen dont on parlait dans l'introduction des conférenciers avec Maët, le projet Génialg, où en suivant donc une ferme donc de culture de Combourg Royal, donc cette algue Saccharina latissima en Irlande, on a pu avoir un certain nombre d'études qui permettaient de comprendre effectivement l'impact de ces cultures d'algues sur l'environnement physique des algues, sur la chimie de l'eau, effectivement comment elles contribuent effectivement à consommer un certain nombre de nutriments et de polluants, comment elles peuvent modifier certains régimes hydrodynamiques et sédimentaires, et comment elles contribuent effectivement de manière positive ou négative sur leur environnement en termes de composition de la flore et de la faune locale, mais aussi des microbes associés. Et sous cette ferme-là, il y avait notamment un habitat prioritaire qui est cet herbier de Zoster, là, sur lequel il y a un cadre qui a été placé et qui a pu être suivi en fait en parallèle aussi de la ferme. Et un ensemble de paramètres qui ont été mesurés donc dans cette ferme-là ont donné beaucoup de surprises, plutôt positives, en particulier en termes de transparence de l'eau et de captation de la lumière en fait sous les fermes d'algues. Il avait été placé un ensemble de capteurs de lumière qui ont en fait enregistré plus de lumière sous les algues que dans les zones adjacentes. En fait, c'était un petit peu contre-intuitif parce qu'on pensait que les algues faisaient de l'ombre justement au fond, comme Martial le parlait tout à l'heure avec la canopée de laminaire, mais en fait les filières d'algues sont suffisamment espacées pour laisser passer beaucoup de lumière. Et en particulier, donc, là où les algues sont présentes, elles captent énormément de particules sédimentaires en suspension dans l'eau et elles laissent pénétrer plus de lumière que dans les zones adjacentes où la turbidité, effectivement, est plus grande. Et ça bénéficie notamment à d'autres habitats comme les austères, puisque les austères, effectivement, qui ont été suivis sous cette ferme et dans les zones adjacentes, se portaient mieux, effectivement, sous la ferme que dans les zones adjacentes,
En plus, quelque part, la ferme assurait une protection à ses austères en limitant l'activité nautique donc, qui peut être faite au-dessus des bancs. Donc il y a un certain nombre d'effets positifs qui ont vraiment été mesurés et d'autres effets, bien sûr, plus négatifs ou en tout cas qu'on anticipe éventuellement comme négatifs, mais qui pourraient s'avérer aussi positifs. Par exemple, sous ces fermes, donc, une étude qui va sortir donc, le mois prochain montre qu'on a dans les sédiments sous les fermes plus de matière organique que dans les zones adjacentes, en fait. Donc, comme le soulignait Martial, une partie donc, de la production des algues est exportée sous forme d'ailleurs de produits complètement solubles ou de particules d'algues ou de morceaux d'algues, et une partie se retrouve dans les sédiments et est stockée dans les sédiments, et donc contribue à stocker du carbone dans les sédiments. Donc un service qui pourrait nous être utile aussi demain. Donc les risques environnementaux des cultures, les outils génétiques en fait, qu'on développe pour la sélection variétale nous aident aussi à anticiper effectivement et à préconiser en fait, des principes en fait, pour développer l'algoculture. La plupart de l'agriculture terrestre s'est développée par le transfert d'espèces. Hein, donc, et bien sûr, aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir si effectivement un blé qui est cultivé en France, il est originaire de France. Nous, on se pose la question, effectivement, et la réglementation maintenant impose à tous les producteurs en France et dans d'autres pays européens de cultiver, en fait, des espèces qui sont locales, mais non seulement des espèces qui sont locales, des souches, en fait, de leur algue qui vient d'un bassin, en fait, qui est considéré comme local, c'est-à-dire un bassin qui correspond à des populations d'algues qui échangent donc régulièrement des gènes, donc qui... voilà. Donc, en fait... On a aujourd'hui la possibilité de tracer, effectivement, et c'est ce graphique coloré que vous avez qui vous montre toujours pour cette algue Saccharina latissima la diversité génétique et donc sur toute l'Europe, en fait, hein, du Spielberg jusqu'au Portugal, et qui vous montre, effectivement, qu'on a des entités génétiques donc très différentes qui sont liées à la présence d'allèles spécifiques donc, pour certains gènes, qui sont différentes au cours de ces populations, tout simplement parce que ces populations sont isolées et elles ne communiquent pas entre elles. Donc, ces principes de ne pas transférer effectivement ces souches restent des principes de précaution importants, même si pour chaque espèce, il faut en fait pouvoir refaire ce travail. Et c'est des travaux qu'on mène effectivement aujourd'hui sur d'autres espèces d'algues alimentaires, comme l'adulte dont je parlais tout à l'heure aussi, à Roscoff. Donc, les risques environnementaux, ils ne sont pas seulement effectivement pour l'environnement lui-même, ils peuvent être aussi des risques environnementaux pour les producteurs. Et un exemple toujours aussi local, c'est à Saint-Malo. Donc, toujours dans la ferme de Siwil, en 2019, la production locale ici de wakame, qui est cultivée dans la Rance, a été détruite en pratiquement l'espace d'une semaine ou deux. Il y avait plusieurs dizaines de tonnes d'algues fraîches qui étaient prêtes à être récoltées. Et vous voyez... il y a eu un phénomène qui reste inconnu au niveau de l'espèce qui a pu le provoquer, qui a fait qu'il y a eu un recrutement d'un nuage de larves planctoniques qui ont consommé en fait les algues pour ne laisser que les parties les plus dures et bien sûr impropres à la commercialisation. Donc les recherches en fait sur l'environnement marin sont très très importantes aujourd'hui pour comprendre aussi et anticiper les risques pour ces producteurs. Donc, dans ce contexte-là, quand on a proposé un titre, effectivement, les algues de Bretagne, un enjeu planétaire, on l'a fait, effectivement, un petit peu de manière un peu provocatrice, effectivement. La production en Bretagne, c'est sans doute pas ce qui révolutionne les choses dans le monde, même si nos entrepreneurs, par exemple, révolutionnent et sont copiés beaucoup dans le monde. Hein, donc, il y a beaucoup de choses qui sont copiées par rapport à la Bretagne. Et la Bretagne est une zone... qui attire en fait le regard, y compris des Asiatiques, pour comprendre un certain nombre de modèles de développement effectivement de l'industrie des algues. Mais c'est surtout que la Bretagne a développé au cours donc de plus de deux siècles maintenant des capacités notamment de recherche sur les algues qui sont parmi les plus importantes au monde, avec des équipes qui sont reconnues internationalement et qui ont fait que notamment une fondation privée donc anglaise, la fondation de Register, qui est associée avec le Pacte mondial des Nations Unies. Est venu nous demander à Roscoff de monter une coalition en fait, pour le développement des algues au niveau mondial, de construire une filière algues plus sûre. Plus sûre sur le plan, bien sûr, de la consommation,
des besoins des consommateurs, plus sûr sur la besoin de la sûreté environnementale que j'ai illustrée, et puis bien sûr, sûr aussi pour les gens qui vont travailler dans ce secteur-là, et puisque dans beaucoup encore de régions du monde, on a des problèmes effectivement qui sont liés à des conditions de travail qui ne sont pas plus acceptables et qui font que notamment des gens qui cultivent des algues aujourd'hui ne sont pas rémunérés avec les salaires qu'ils devraient et travaillent dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Donc cette fondation, elle travaille vraiment avec toutes les organisations de l'ONU aujourd'hui, comme la FAO, comme donc les fonds pour le développement de l'ONU, pour assurer donc un développement donc beaucoup plus harmonieux du secteur des algues, pour relever les défis que j'ai soulignés, en particulier le défi alimentaire, mais aussi contribuer à une partie du défi climatique. Et je vous invite effectivement à regarder effectivement ce qui se passe au niveau mondial, en particulier sur comment les algues peuvent contribuer à remplir un certain nombre d'objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, je suis désolé, j'ai pas retraduit cette diapositive que j'ai prise en anglais, mais qui, vous le voyez, en fait, regroupe pratiquement tous les objectifs de développement durable de l'ONU, pour lesquels des solutions, effectivement, que peuvent apporter les algues aujourd'hui sont pertinentes, effectivement, pour contribuer à résoudre un certain nombre de questions. Donc je vous invite à joindre un peu cette révolution des algues, parce que donc, c'est comme ça qu'on essaye de vendre notre projet aujourd'hui. Il y a déjà plus de 600 organisations qui sont membres, et chaque citoyen peut effectivement donc, s'intéresser aux algues. On a maintenant plus d'une trentaine d'ambassadeurs, par exemple, de gens qui, donc, dans le monde, veulent défendre la cause des algues, et à la fois donc, contribuer à ce que les forêts d'algues sauvages existent encore demain, mais que aussi dans des endroits où le changement climatique se fait de plus en plus pressant, les algues contribuent à apporter des solutions et contribuent à continuer à enrichir donc, des régions maritimes, en fait, et continuent à préserver des emplois dans ces régions. On y reviendra, je pense, dans vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup, merci à tous les deux. Je crois qu'on connaît beaucoup de choses maintenant en ce qui concerne les algues. Je me demandais tout à l'heure, quand vous parliez des plongeurs, je me demandais si les plongeurs amateurs pouvaient contribuer à votre travail, comme ça se fait maintenant, le comptage des oiseaux ou les choses comme ça. Est-ce que il peut se passer la même chose en mer, sous la mer? Alors effectivement, il y a des clubs de plongée où il y a des personnes qui ont vraiment une sensibilité naturaliste, hein, qui participent à des suivis. Moi, je ne travaille pas directement avec ces personnes-là, mais l'équipe du Muséum d'Histoire Naturelle à Concarneau l'a déjà réalisé, à la station aussi, à Dinard. C'est vraiment une réelle orientation avec des gens qui sont, je dirais, aussi passionnés que nous. Ça, c'est sans aucun problème. Et on peut développer, je dirais, une force de suivi qui est bien plus importante que la nôtre. Il y a des projets où on a jusqu'à, je crois, Dinard, jusqu'à presque 2000 personnes sur des sujets qui ont pu participer. Donc là, il y a un réel potentiel. Alors que soit sous l'eau, bien sûr, en plongée, ou soit sur les strands quand la mer, elle descend. Donc là, il y a un engouement, en fait. Il y a vraiment des gens qui aiment participer à ça. Ouais. Mais quand on parlait des goémoniers, du ramassage du goémon dans le temps, c'était beaucoup les femmes de marins-pêcheurs, non, qui ramassaient les algues de rive, les algues de rive, non, les goémons. Ouais, il y avait clairement, je pense que c'était, on pouvait parler de la famille, en fait. Hein. Ah, c'était la famille. Il y avait, alors, la famille. Je connais pas tous les réglementations, mais il y avait des endroits où il y avait suite à des règles qui avaient été mises en place avec Vauban, me semble-t-il, hein, sur certains estrands, enfin sur certaines côtes, en fait, il y avait
cette plage qui était attribuée à telle et telle famille. C'est ça. Et ne pouvaient pas venir les autres familles. Et celles qui venaient, c'était pas juste la femme, mais c'était souvent effectivement aussi le mari, mais les enfants. Oui. Si vous allez sur des secteurs comme Plouguerneau, dans le Finistère, il y a encore des personnes qui vous diront j'allais pas à l'école tel jour parce qu'il y avait des algues qui étaient arrivées à la côte et il fallait les ramasser. Ouais. Et ça, c'est juste pendant la guerre ou juste après-guerre, en fait. Donc c'est une réalité. C'était une ressource et qui apportait l'argent de la maison, en fait. Donc, tout le monde y participait, en fait. On a toujours beaucoup de femmes dans le secteur qui récoltent, bien sûr, donc à pied notamment. Donc sur les bateaux embarqués, non, il n'y a pas de femmes actuellement, je crois, marins sur les bateaux. Mais aussi, justement, compte tenu des enjeux aussi au niveau mondial, il y a certains pays, en particulier en Afrique de l'Est, où justement... La culture d'algues a été très très importante effectivement pour permettre à des femmes de retrouver une activité économique et ce sont souvent elles qui la mènent complètement, y compris alors au départ sur des systèmes plutôt de culture d'exportation, mais maintenant aussi sur des systèmes qu'elles veulent transformer pour avoir une valorisation de l'algue sur place. Donc il y a des exemples à Zanzibar en Tanzanie actuellement. Nous on travaille dans la coalition mondiale avec donc une chercheuse qui a passé sa vie à essayer de développer justement ces aspects-là pour la condition des femmes. Pour justement aller vers là. Déjà, c'est un champ énorme que vous nous avez présenté là ce soir. Alors évidemment, il y a André qui demande la parole. André, on va lui donner... André, quand même. D'ailleurs, on me dit, il faut être gentil avec André. Il y a des messages qui me disent, il faut être gentil avec André. Donc donnez le micro à André, je vous en supplie. Et André, André pose sa question. Ma question va être toute simple. Vous aviez parlé tout à l'heure du microbiote humain qui est amélioré par certaines recherches médicales dans certains traitements pour guérir certaines maladies. Où en est la recherche? Quels sont les espoirs? Donc, alors, la recherche, il y a beaucoup d'espoir effectivement dans ce contexte-là qui peut être lié à l'alimentation directe avec les algues. Donc, c'est l'exemple que je disais, mais aussi effectivement sur des molécules qui sont extraites des algues, en particulier donc les produits très, très communs dont on a beaucoup parlé, là, comme les fibres des laminaires qui sont les alginates. Des fragments de ces alginates ont été montrés donc en Chine comme pouvant, avec une petite modification chimique, qui est une simple oxydation en fait, comme étant capable de prévenir la maladie d'Alzheimer, avec pour la première fois un mécanisme justement qui n'était pas lié directement à une action sur le cerveau, mais une action sur le microbiote intestinal. L'article qui a été publié sur le modèle souris était vraiment fabuleux, parce que effectivement, ce qui se passe, c'est l'ingestion en fait de ces petits fragments d'algues en fait par les souris amène à des changements dans le microbiote intestinal qui va donc favoriser des bactéries qui ne provoquent pas d'inflammation au cerveau, alors que donc l'absence de cette molécule maintient un microbiote qui, lui, peut favoriser des inflammations. Et c'est l'inflammation elle-même qui, après, va déclencher tous les mécanismes qui vont provoquer la formation des plaques d'Alzheimer. Donc, l'agence du médicament chinois avait autorisé la mise sur le marché de ce produit, mais ça a été très critiqué. C'était juste avant la pandémie, donc c'est un peu tombé après dans les oubliettes. Ça arrangeait pas. Parce que la recherche clinique était pas encore suffisante de toute façon pour vraiment, notamment convaincre les pays occidentaux. En particulier, il y avait aussi, comme il y a beaucoup de produits produits pharmaceutiques en développement sur Alzheimer, ça n'arrangeait pas forcément les affaires des grands groupes pharmaceutiques aussi qui travaillaient sur d'autres solutions. Et donc, il y a eu une guerre qui s'est un peu déclenchée. Et donc, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup entendu parler de ça. Mais par contre, ce qui a été intéressant, c'est qu'au même moment, on a vu d'autres études, et il y a des études toujours en cours, notamment en Corée du Sud, que je suis avec un collègue là-bas, qui s'intéressent aussi à d'autres types de molécules qu'on trouve dans les algues brunes. Et c'est paradoxal, là, c'est pas les mêmes mécanismes, bien sûr, qui sont impliqués, mais des stérols qui sont produits par certaines algues, dont l'Iziki, là, que je mentionnais très rapidement tout à l'heure, qui était une algue de la famille des sargasses, en fait, ces stérols sont capables aussi d'avoir une action contre la maladie d'Alzheimer. Et il y a d'autres molécules qui sont aussi étudiées sur d'autres maladies neurodégénératives, comme Parkinson, par exemple.
Ouais. Donc c'est un exemple parmi d'autres, parce que je pourrais aussi parler d'une start-up, par exemple, aujourd'hui en Norvège, qui commercialise un médicament là plutôt pour soulager les patients atteints de mucoviscidose. C'est là aussi une solution qu'on connaît depuis très très longtemps, mais qui a mis beaucoup de temps à pouvoir être développée à un niveau effectivement de thérapie. C'est simplement là aussi des fragments d'alginate, mais ce ne sont plus les mêmes fragments. Là, c'est des fragments qui sont les fragments les plus gélifiants dans l'alginate et qui, lorsqu'ils sont incorporés effectivement donc par voie orale, vont aussi permettre de limiter en fait l'infection par les bactéries qui produisent naturellement des alginates que tous les patients atteints de mucoviscidose donc ont en infection. Hein, c'est les Pseudomonas aeruginosa. Et ces produits sont vraiment efficaces pour prévenir en fait l'adhésion des bactéries et donc limiter considérablement donc l'invasion des muqueuses et donc limiter aussi bien sûr le recours après à des antibiotiques et surtout rendre efficaces les antibiotiques, parce que lorsque les bactéries justement s'entourent de mucus, c'est trop tard effectivement pour faire agir des antibiotiques. Donc il y a voilà, deux solutions parmi d'autres, mais je pourrais en donner d'autres exemples. La mer est l'avenir de l'homme. On pourrait ça. Madame, j'ai vu. Oui, madame, vous avez le micro. Merci, merci pour vos interventions. Vous nous avez décrit un modèle de gestion de l'exploitation qui a l'air très fin, enfin que j'ai perçu comme très respectueux de la ressource, des caractéristiques des espèces, des milieux. Finalement, est-ce que ce modèle, avec une très forte implication des pêcheurs, si j'ai bien compris, en tout cas des exploitants, est-ce que ce modèle, c'est une particularité bretonne ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve à l'échelle européenne, voire ailleurs ? Alors, effectivement, il y a un travail qui a été assez conséquent avec une participation des pêcheurs. À l'échelle européenne, alors pour ce qui est notamment du fait que les bateaux soient géolocalisés, ça, c'est vraiment presque une première, puisque là, on est avec une flottille dont on sait où sont les bateaux en permanence. Ce qui, vous avez vu, permet d'avoir une vue fine de l'exploitation. On peut le faire ailleurs, mais on va dire que c'est des outils... Le GPS, ce n'est pas nouveau, mais l'application et l'encadrement de cette façon-là est assez nouvelle pour ces petites flottilles-là. On est en train, je dirais, d'être vu par d'autres endroits et ça fonctionne. C'est le cas en Norvège. Mais après, ce type de flottille, il est aussi... pas si développé que ça. On en a ici, mais moins ailleurs. Pour ce qui est des algues de rive, il y a vraiment des travaux à l'échelle européenne qui ont été faits pour comparer ce qui était en place et voir quelles étaient les options les plus intéressantes qui avaient été développées. Et là, il y a vraiment de la collaboration et on partage ces approches. Donc là, il y a eu plusieurs projets à ces échelles-là. Et après... clairement, on regarde ce qui est réalisé dans d'autres pays. On parlait tout à l'heure de la scophyllum. Dans tout l'estuaire du Saint-Laurent, il y a aussi une exploitation. Et on regarde les règles qui sont en place. Et globalement, c'est plutôt bien vu parce que, de manière assez globale, il y a des endroits où on dit qu'il ne faut pas toucher aux laminaires parce que c'est important pour l'écosystème, c'est important pour les homards qui sont là, c'est important pour les aussi. Donc il y a aussi des endroits où on ne fait pas, où si on commence à faire, on est très précautionneux dans la manière de travailler, en fait. Ouais. Et juste, je voulais finir sur un point qui est important. En fait, la première DAPO que je vous ai présentée, qui était, on parle d'un écosystème, à la suite de plusieurs projets, les récoltants ont vu leur matière première non plus comme une ressource, elle est toujours une ressource parce qu'ils l'exploitent, mais ils ont bien compris que ça faisait partie d'un écosystème et qu'il fallait aussi avoir le fait d'avoir cette vision-là fait que vous considérer et vous travaillez différemment. Ça, c'est vraiment important, en fait. Je prends juste une question sur Internet. Est-ce que les pêcheurs d'algues vivent de cette exploitation toute l'année ou est-ce saisonnier ? Alors, de manière... aujourd'hui, on a vraiment des exploitants qui en vivent toute l'année. Quand on parle d'il y a 40 ou 50 ans, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment beaucoup plus saisonnier. Et là, on avait plutôt des acteurs qui étaient paysans récoltants ou pêcheurs récoltants. Aujourd'hui, les bateaux qui sont actifs, la plupart, il y a la moitié qui font que des algues toute l'année, une autre partie qui, pendant l'hiver, récolte, vont plutôt pêcher des coquilles Saint-Jacques, donc sur les coquillages. Donc on a encore cette activité-là. Et on a encore un ou deux pêcheurs qui sont aussi agriculteurs. Ça, c'est assez rare. Oui. Mais sur l'île de Bas, les Iliens, ils ont un pied dans la terre, un pied dans la mer, encore un petit peu. Ouais.
Qui est-ce qui a le micro, madame? Je vous en prie. Je voudrais savoir si les communes ont leur mot à dire sur d'autres types d'exploitation, la récolte des algues sur l'estran. Est-ce qu'elles perçoivent une redevance? Est-ce qu'elles délivrent des autorisations? Et puis, pour les fermes de culture d'algues qui sont au large des communes, et quel est le rapport juridique, enfin, le régime de propriété et d'exploitation? Est-ce qu'il y a des tensions avec les communes? Voilà. Quel rôle a la commune dans la délivrance de permis ou quelque chose comme ça? C'est ça ma question. Le ramassage sur les strands d'abord. Alors, tu complèteras si je fais. Alors, effectivement, déjà sur une commune, il y a des zones d'accès à l'estran qui doivent être respectées. Et les exploitants, en tout cas qui ont autorisation aujourd'hui, doivent avoir une. C'est pas une licence, mais ils doivent avoir une autorisation. Enfin, ils ont une autorisation de descendre sur l'estran pour pouvoir exploiter. Donc, ça, c'est bien cadré, en fait. Et si vous êtes aussi acteur ou si vous voulez vous-même aller ramasser des algues, par contre, vous n'avez pas le droit de descendre sur l'estran. Vous devez rester sur des cales et après aller ramasser à la main pour limiter l'impact sur ces zones-là. Donc ça, c'est pour descendre sur l'estran. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce que je vous ai aussi rajouté, c'est qu'en fait, cette activité-là, elle est complètement cadrée, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez avoir une licence. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de licence qui vous est délivrée, vous ne pouvez pas aller récolter, sauf à travailler pour quelqu'un qui en a une. Et avec une licence, vous avez un certain nombre d'autorisations. Et donc, une entreprise qui aurait une licence pour aller exploiter telle algue peut avoir une ou deux autorisations, ce qui fait qu'elle peut avoir un ou deux récoltants qui va travailler pour elle, soit quelqu'un qui est dans son entreprise, ou soit travailler avec quelqu'un d'extérieur. Ce qui fait que ça permet de ne pas avoir d'un seul coup 1000 personnes qui restent sur l'estran, là où on peut en mettre que 250. Donc là, il y a ce cadrage-là qui est vraiment important. Et on a aussi des endroits où, par exemple, je prends l'exemple parce que c'est celui qui me vient en tête, en fait, par exemple, dans la rade de Brest, il y a des endroits où il y a de la scophyllum, mais il n'y a pas les autorisations pour l'instant. Les communes sont plutôt un peu réticentes. Et donc là, il n'y a pas d'exploitation parce qu'il n'y a pas cette... Et puis, parce que dans ces endroits-là, il y a aussi un point assez important, il y a la culture de l'endroit. Il y a des endroits, le ramassage d'algues, elle a toujours été en place, elle s'est toujours perpétuée. Et donc, en fait... Vous allez, alors je reparle de Plouguerneau parce que c'est une commune qui a. Ah oui. À Plouguerneau, le maire de la commune ne se pose pas la question de savoir s'il va autoriser ou pas leur messager. Ça fait partie de l'activité de sa commune. Vous allez à Daoulas ou à Logona Daoulas, là, qu'est-ce qu'ils vont aller ramasser? Ils vont plutôt impacter le milieu. Parlez bien dans le micro. Pardon, il y a la question d'impacter le milieu ou d'avoir une activité qui n'est pas. Donc là, il y a cette. Et pour ce qui est des concessions aux maires, il y a vraiment là, par contre. Comme une concession conchylicole, il y a toute une procédure à remplir pour faire une demande. Et derrière, ben, c'est les services d'État qui vont demander aux personnes qui sont capables de répondre aux questions, voir si la structure en place est possible. En fait. Et les réticences, elles viennent... pourquoi ? Vous avez expliqué tout à l'heure, vous avez cité un exemple en disant qu'elle voulait s'étendre, une ferme aquacole... Oui, alors donc ça, c'est, pour les fermes aquacoles, c'est notamment l'emprise que ça peut avoir donc sur le domaine maritime et par rapport aux autres usages, et notamment le fait que donc une ferme, même si elle n'est pas permanente sur l'année, ait un grand nombre de bouées et de lignes qui empêchent de la circulation, donc sur des zones où qui étaient notamment ou des zones où il y avait des activités nautiques de petite pêche ou de pêche professionnelle ou de nautisme. Donc ça peut effectivement générer des conflits. Et donc même quand ça n'a pas encore été installé et même pas quand il n'y a pas eu de concertation sur comment justement définir des zones qui seraient les moins gênantes par rapport aux autres activités, ça a causé beaucoup de problèmes. Monsieur, vous avez le micro. Non, il marche tout seul. Vous n'avez appuyé nulle part. Okay. Moi, j'avais des questions par rapport à l'algoculture. Et de savoir justement, est-ce que c'était pas pour certaines populations, par exemple, qui utilisent déjà les algues sauvages et qui ne peuvent plus les. Enfin, du coup, il y a beaucoup moins de. Une baisse des ressources, des algues sauvages, mais aussi des ressources halieutiques avec les poissons. Est-ce que l'algoculture, c'est pas vraiment le parfait moyen pour justement permettre à des populations de rester sur place de pas, et du coup d'éviter aussi dans une perspective de réchauffement climatique d'éviter à des populations d'immigrer, aller dans des grandes villes ou aller dans... Et du coup, de permettre à des populations de rester sur place et de créer... Leurs ressources, quoi, ouais, leurs propres ressources. Au niveau ressources alimentaires,
et aussi d'avoir une ressource financière avec la vente et tous les débouchés qu'il y a dans... Moi, j'ai vu pas mal, par exemple, au Chili, qui a très peu d'algoculture. Par contre, c'est énormément dans la culture gastronomique des pays, enfin, du pays. Et voilà, c'était un peu... Quelles étaient les perspectives de l'algoculture dans cette thématique-là? Oui, donc, les perspectives de l'algoculture dans des pays comme le Chili sont importantes, d'autant plus qu'ils ont déjà beaucoup plus d'algoculture que nous, on a en Europe, hein, parce qu'ils produisent notamment une algue qui, depuis plus de 30 ans. Et en fait, cette algue, on a développé sa culture parce que la pêcherie, justement, n'a pas été bien gérée. Et en fait, le stock s'est effondré. C'est aussi le cas, par exemple, d'autres sources d'agar, par exemple, sur les côtes donc, de la péninsule ibérique, hein, au Portugal et en Espagne. C'est des algues qui sont difficilement récoltables aujourd'hui. Et même au Maroc, il y a eu des problèmes. Et ça amène, par exemple, des pénuries du produit final qui est utilisé dans tous les laboratoires de microbiologie et de biotechnologie du monde aujourd'hui. Donc effectivement, la culture a été essentielle pour permettre de développer. Et aujourd'hui, dans ce domaine-là, par exemple, je parlais de l'évolution, c'est plus de 3 millions de tonnes d'algues fraîches qui sont produites dans ce domaine-là. Alors, pas forcément avec exactement les qualités qui sont recherchées. Et on a plein d'exemples en Indonésie aussi, où des endroits où les pêcheries s'étaient effondrées, les pêcheries locales, ça a permis des maintiens de population, effectivement, le développement de la culture d'algues, puisque l'Indonésie, c'est devenu le premier producteur mondial d'algues aujourd'hui, avec les algues rouges. Alors certes, beaucoup d'exportations au départ, mais de plus en plus aussi maintenant, de transformation locale, et donc des choses que le gouvernement indonésien a intégrées dans sa stratégie maritime aujourd'hui. Et le deuxième gros point qui va dans le sens de ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les études montrent que les deux types de production de cultures, alors qu'elles soient marines ou terrestres, qui produisent le moins de gaz à effet de serre, ce sont les cultures d'algues et les cultures de coquillages. Donc aujourd'hui, la priorité, effectivement, elle doit être de voir comment on peut favoriser ces développements-là par rapport à d'autres systèmes de culture, qu'ils soient terrestres ou marins. Alors, où êtes-vous ? Oui, voilà, allez-y, je vous en prie. Bonsoir, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. J'ai vu que vous vous êtes intéressé pour un certain nombre d'algues que vous avez étudiées par le menu aux conditions qui favorisaient leur prolifération. Vous avez mentionné les phosphates, je crois, et dans le même temps, vous avez dit que ces algues pouvaient éventuellement servir d'indicateur pour mettre en évidence des changements de milieu. Alors, je voulais savoir si pour les algues, vous pensez que ces algues que vous avez étudiées, il pourrait y avoir un rapport entre leur prolifération et les effluents agricoles, puisque c'est des choses qui ont été proposées pour les algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc. Alors, je ne sais pas ce que recoupent les algues vertes pour ce qui est de la baie de Saint-Brieuc. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire sur cette question. Merci. Je peux commencer à faire... Effectivement, de manière très claire. Alors, moi, je ne suis pas forcément le spécialiste sur les algues vertes, mais en tout cas, la personne à Ifremer qui a travaillé pendant 30 ans là-dessus, ses conclusions étaient vraiment très, très précises. Enfin, toute l'équipe qui a travaillé là-dessus, c'est-à-dire que la présence ou les développements importants de ces algues-là, comme l'a indiqué Philippe, c'est vraiment lié à des apports beaucoup plus importants dans la zone où elles sont présentes, en fait. Et clairement, ces apports-là sont très bien corrélé avec la production agricole, que ce soit effectivement de l'élevage, en fait, hors sol, dit hors sol, donc on a une production en fait d'effluents qui est extrêmement important, ou alors les techniques culturales qui étaient d'apporter de l'engrais minéral, en fait. Hein, donc on a du coup, en plus, quand c'est apporté comme ça, sa fixation dans le sol, vu qu'il n'y a pas assez de matière organique, elle est beaucoup plus légère et donc elle est facilement lessivable, en fait. Donc il y a vraiment cet aspect-là d'un milieu, une baie qui est un réceptacle de tout ce qui se fait dans le bassin versant. Ça, c'est extrêmement important. L'autre aspect qui est aussi dont a parlé Philippe, et en fait il y a un joli travail qui a été réalisé alors je parle de la Rade de Brest parce que c'est des endroits où il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Ils ont montré qu'effectivement les 150 dernières années, en fait, les différents remembrements et la manière de travailler la terre fait qu'en fait, on a toutes les barrières liées à l'écoulement de l'eau, et ben, ont progressivement disparu. Hein, c'est tout ce qui est remembrement. Et on a pu voir que dans les pollens
qui est arrivé qui s'est sédimenté, en fait, on a une modification de ces pollens-là qui montre bien que derrière, en fait, il y a des arbres qui n'étaient plus là, où justement ces pollens arrivent parce qu'il y a une érosion et donc un écoulement qui est vraiment plus important. Et depuis les années 50, en fait, il y a une accélération. Et là, on parle d'algues vertes, mais il y a plein d'autres proliférations d'algues qu'on dit phytotoxiques, en fait, puisque ce sont des algues unicellulaires qui peuvent se développer de manière très, très importante. On a des blooms et elles produisent des toxines. Si vous entendez, si vous suivez un tout petit peu l'actualité sur est-ce qu'on peut manger tel coquillage à tel endroit, c'est souvent le fait d'un bloom d'algues phytotoxiques, en fait. Et actuellement, on a des situations telles que la coquille Saint-Jacques, que vous connaissez à mon avis tous, dans certains endroits, en fait, elle se retrouve dans des milieux où il y a des blooms de micro-algues. Et le problème de la coquille Saint-Jacques, c'est en fait elle a besoin d'un temps très très important pour évacuer une de ces toxines-là. Donc ce qui fait qu'on a là actuellement la baie de Morlaix qui produit autour de 500 tonnes, peut-être 400 tonnes de coquillages, enfin de coquille Saint-Jacques. Elle est fermée parce qu'on a eu ce différent bloom. Et il y a un lien très direct avec les pratiques culturelles. Alors c'est pas du tout pour accuser qui que ce soit, mais c'est pour faire un bilan objectif de la manière dont l'agriculture a évolué sur un temps assez long amène à ces situations-là, en tout cas assez particulières, en fait. Quelqu'un d'autre a le micro ? Pardon, je vois. Oh, pardon. Bonsoir. C'est absolument fascinant tout ça. Et moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous dites. Là, on parle de milieux écologiques un petit peu abîmés. Vous nous avez parlé tout à l'heure de milieux d'algues qui servent de refuge à beaucoup de populations, des homards ou que ce soit. Et avec tout ça, avec toute cette culture, que ce soit pour des usages très humains, est-ce qu'on a aussi une activité qui est là aussi dans des buts de préservation, de repeuplement de régions, par exemple, sur des milieux qui ont été abîmés? Est-ce qu'il y a des cultures d'algues qui sont là pour reconstituer des écosystèmes ou... Oui, oui, il y a plusieurs projets dans le monde donc, qui ont... Alors, malheureusement, ça reste encore souvent des échelles expérimentales, hein, parce qu'il faut d'une part obtenir les autorisations, parce que c'est quelque part, c'est manipuler aussi les écosystèmes et on modifie l'évolution normale de la biodiversité en intervenant, mais c'est des choix qui, et dans pas mal de régions du monde, on est confronté à ça. Alors, dans le cas de pollution urbaine, par exemple, on a de très beaux exemples en Australie d'une algue qui avait complètement disparu de la région de Sydney, qui s'appelait la crayweed, en fait, une algue qui hébergeait énormément de crustacés, justement, de pêcheries de crustacés, et dont on a pu assurer la restauration parce que, d'une part, Sydney a bien épuré ses rejets, et la restauration, justement, en transplantant des individus de régions où les algues étaient en bonne santé dans cette région-là, a marché. On a un joli exemple aussi au Chili, sur des côtes qui étaient impactées par les mines de cuivre, et là aussi, où les rejets ayant diminué, dans certaines zones, ça a pu repartir grâce à l'intervention humaine. Et il y a même eu des projets avec les communautés de pêcheurs de faire ces restaurations-là. On a en Europe aujourd'hui des entreprises qui sont créées sur ce concept-là de reforestation, en fait, hein, ça s'appelle Seaforestation. Donc des gens qui, et donc des projets européens là, ont été montés ces dernières années. Alors, il n'y a pas encore beaucoup de financés pour penser ça. Nous, on y réfléchit aussi avec les producteurs de coquillages ici et dans certaines zones, comme la baie de Vilaine, par exemple, qui, Martial le disait, effectivement, du côté de Watt et Eudic, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de laminaires, et c'est le cas de tout la presqu'île de Croisic, etc. Et là, on a des gros problèmes d'algues toxiques tous les étés, des problèmes donc d'enrichissement du milieu et de turbidité. Et donc, on réfléchit avec les producteurs là-bas pour essayer de voir comment des cultures d'algues pourraient être implantées. Comment peut-être aussi de la restauration d'habitat pourrait marcher, mais c'est pas simple, effectivement, et ça demande d'expérimenter à différentes échelles. Mais aujourd'hui, il y a une volonté de le faire. Et on espère que, notamment, les futurs fonds pour les activités maritimes, l'aquaculture et la pêche, au niveau européen, vont permettre ces interactions entre scientifiques et professionnels pour aller vers des projets comme ça, localement. Parce qu'il y aura besoin effectivement de soutien financier pour que les producteurs puissent aussi se diversifier et prendre le risque de faire ce genre de projet. On va être obligé de s'arrêter là, mais alors votre domaine est absolument passionnant. Il faudra revenir dans 2-3 ans, hein, nous raconter un petit peu où vous en êtes. Il y avait encore plein de questions sur Internet. Je tenais à dire qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de votre
de votre jolie chemise pleine de poissons. Donc voilà, ça fait aussi partie des petits messages que l'on nous laisse. André est devenu absolument une vedette sur Internet. Nos habitués le plébiscite. Voilà, il est très content, et nous aussi. Voilà, merci. Et puis, dernière question quand même que je voulais vous poser avant que vous partiez. Cette laminaire que vous nous avez apportée était un petit peu stressée par le voyage, le fait que vous l'ayez... qu'est-ce que vous allez faire là maintenant ? Là, vous allez la remettre dans... Non, je vais la ramener à Roscoff et puis je vais soit la mettre dans mon jardin, soit la remettre sur la grève, parce que comme elle vient de la grève à Roscoff, elle peut très bien... Elle dort à l'hôtel avec vous sans problème cette nuit. Elle finira sa vie dans la laisse de mer, donc à Roscoff, et elle contribuera à enrichir des milieux avec la matière organique qu'elle contient. En tout cas, même stressée, elle était encore très... Oui, oui, et puis elle vous a rendu des services, elle a libéré un petit peu d'iode dans l'atmosphère de la pièce, donc il ne faut pas se plaindre. Voilà, merci à vous tous d'être venus ce soir pour assister à cette conférence. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Internet. Merci à notre équipe, l'équipe Régie des Champs Libres, notre équipe vidéo de l'Espace des Sciences, et puis aussi l'équipe City One qui nous aide bien à vous accueillir le soir. Ben, on ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine. On fait une petite pause entre le 1er et le 8 mai. Et le 10 mai, par contre, nous aurons comme invité Étienne Klein, qui viendra nous parler du vide. On fera le plein de vide avec Étienne Klein. Donc, le 10 mai, j'espère que vous serez nombreux avec nous. Bonne soirée. Merci encore pour votre attention. Merci beaucoup.